Bonjour à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien une fois de plus. Que dire, que dire? Petite session peinard pépouze en. J'aime plus, on est le mercredi 29 décembre. On est dans la période des fêtes de fin d'année, ça fait du bien. Repos pour moi. Comme promis, on va se faire un petit Master Rally, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du Paris-Dakar. Voilà, puis on va se traîner pendant 3 heures jusqu'à 13 heures et faire relais de chaîne toujours avec l'ami FunFan. J'ai envie de dire, vous savez, on est comme cul et chemise, on est liés en tandem, puisqu'on s'entend vachement bien, FunFan et moi. Et lui, il vous fera aussi du vroom-vroom, mais du vroom-vroom un peu plus sur Allspat. Lui, ce sera du Need for Speed Payback. Et non pas Playback, comme il a dit hier, et ça m'a beaucoup fait rire, mais je ne lui ai pas relevé pour pas le vexer. J'avais bien rigolé. Bref. Tout ça pour dire que, bah écoutez, on va se lancer peinard pépouze maintenant. Voilà, relax. Hop, je gère mon interface tranquillou. Et puis on va se lancer. On va se lancer sur la bête, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, puis je suis content, je suis revenu. C'est stylé, c'est à 10 h pile que je prends l'antenne, c'est même immortalisé dans mon dans ma capture d'écran avec Voiceboot. Pile poil à l'heure. Encore que j'avais dit 10 h 30 en fait. Mais comme il n'y a personne dehors, j'ai fait mes courses à une vitesse folle. Il n'y avait personne dehors, j'ai vu 5-6 personnes à l'arrêt de bus. J'ai croisé sans déconner pas une vingtaine de bagnoles tout le long de mon chemin et j'y allais à pied tranquille. Comme il pleuvote, il fait un temps gris, ça n'encourage personne à lever ses fesses le matin. Et du coup, je suis allé faire mes courses dans la petite supérette de quartier. J'avais juste une hôtesse pour moi et il n'y avait aucun client. Donc j'étais servi comme un roi. Qui plus est, la demoiselle était charmante et ravissante. Donc ça fait plaisir. Bonjour, j'ai failli dire bonsoir. Bonjour, Olive. J'espère que tu vas bien. Ah bah moi, ça va très bien, merci. Voilà, je raconte mes dernières aventures de ces dernières heures là. Parce que je voulais faire mes courses hier et comme il pleuvait comme vache qui pisse, mais des murs d'eau, j'ai décalé à ce matin mes courses. Donc je les ai fait tôt, je suis arrivé quasiment à l'ouverture du magasin à un quart d'heure près. Et comme il n'y avait personne, bah tranquille quoi. J'ai fait plus vite que prévu. Généralement, je mets 1 heure à tout casser, là j'ai mis 3 quarts d'heure. Et encore 3 quarts d'heure, les courses étaient rangées dans mon frigo. Donc ultra rapide. J'ai battu un record. Ah, on va se faire un peu de Paris-Dakar. C'est cool. Alors rassure-moi. Ouais. Oh, charmeur. On peut pas dire que je sois dragueur. Je sais pas prendre les devants, socialement parlant. Surtout pour la séduction. J'ai envie de dire, je préfère me faire séduire, ce qui m'arrive quasiment jamais, faut bien l'avouer. Que de la tenter là-dessus, je tiens ça de ma timidité de l'adolescence. Je l'ai gardé à l'âge adulte, en partie, on va dire. On va dire de manière tronquée, modifiée. Enfin bref, je prends rarement les devants. Mais vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'étais en train de me dire, les mecs sont pas mal non plus d'ailleurs dans l'enseigne où je vais faire mes courses. J'ai le souvenir d'un jeune homme charmant. Ouais, au calme. Non, moi ce qui m'intrigue te concernant Olive, c'est que j'espère que tu as repris des forces parce que t'étais zombie hier matin, tu bossais hier après-midi et je crois que t'étais à nouveau reclaqué le soir alors que t'étais venu nous faire coucou. Donc j'espère au moins que t'as bien dormi cette nuit. Bonjour SDR, j'espère que tu vas bien toi aussi. Ah là 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 là. Alors, je crois que j'avais une carrière dans ce jeu, parce que c'est pas la première fois que je le fais. Je l'avais déjà fait dans une phase de test, le Master Rally, il était vachement bien. Ils font peur, eux, avec leur menu. Non, bah non, j'ai chargé une fois, ça va. Ouais, peut-être entraînement. Ouais, ça va, c'est cool. Oui, moi, ça va, SDR, merci, là, je... Je suis maintenant peinard au chaud. Là, j'ai fait mes courses pour le restant de la semaine et mon 31. Donc, comme je suis en repos absolu, je ne devrais pas mettre le pif dehors avant lundi prochain. Je vais certainement pas m'en plaindre. C'est le grand luxe pour moi.
T'es toujours en mode zombie, mais t'as mieux dormi. Bon, c'est un moindre mal, Olive. Ouais. Espérons que t'arrives à grappiller un peu de repos. Bon, évidemment, c'est à ta discrétion, mais je te souhaite d'avoir plutôt un 31 tranquillou pépère. Que tu puisses souffler, en espérant que tu bosses pas le jour férié. Ah là là là, merde, je discute avec vous qui est un grand plaisir, mais le temps que je me décide à me lancer dans les menus, à lancer mon truc, il me balance la démo dans la tronche. Ah, j'aurais dû démarrer carrément les 10 premières minutes en just chatting pour papotage là, je fais n'importe quoi. Enfin, c'est pas désagréable, hein, mais. Ah là là! Voilà! La console me punit, il me dit t'es trop mou. Je démarre sans toi. Ah là 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 là. Bon alors, peux jouer moi? Ouais. Grand gamin que je suis. Oh, démonstration en énorme. J'ai zappé au bon moment. Oups. Alors, trophée c'était quoi? Je crois que j'avais fait trophée. Ah! Oh, j'avais même remporté des courses, à ma grande surprise. Oh la vache, il y a le Master Rally aussi qui est. Bon. Pas évident de jouer et lire le chat en même temps. Oui, ça vient avec le temps. Ouais. T2. T3? Ah ouais, c'est les. Oh la vache, on va recommencer le T1. Hein. Je suis en la dernière division là, je suis débutant. Ah, t'as droit à des invitations. Ça veut dire qu'il y a des trucs à débloquer, des challenges aussi. J'aurais droit à un challenge? J'ai une voiture qui est grisée sur toutes celles qui sont en noir. Oh. Évolution de carrière. Non, bon, on va se relancer dans un. Attends, oh, challenge, c'est peut-être pas malin de se lancer dans le challenge dès le début. Quand t'es pas chaud. La coupe go, la coupe. Et ça, oui, j'ai pas le droit ouais, de changer puisque je me suis pas qualifié. Alors les dernières, je m'en sortais bien. Et les premières, j'étais. Alors je vais faire l'inverse. Comme je vais démarrer tout doucement et me mettre à chaud, je vais démarrer par les dernières où j'ai eu la coupe en or, j'ai rien à perdre, j'ai déjà eu l'or. Et le temps que je me remette le pied à l'étrier, je vais essayer d'avoir les autres que j'avais pas eu. On va faire comme ça. C'est pas plus mal. Oh, il va falloir que je choisisse mon bolide, voilà. Est-ce que j'en ai débloqué des bolides? La Tata Safari, qu'est-ce qu'on avait rigolé sur le. Oh, Nissan Terrano, je l'avais pas, je crois. Ah, oh, j'ai peut-être essayé Nissan Terrano. Ah, bah, c'est peut-être ça le bolide que j'ai débloqué. Bah, tiens, je vais me gêner. Tu m'étonnes que je vais le prendre. Bon, je vais être très vilain, je vais pas faire de réglage. Alors, je pars bosser tout à l'heure, mais le site est cool, donc ça va. Je termine en début d'après-midi, mais je dois passer à la pharmacie. Après, acheter un sac gigantesque de graines pour les piafs, car ils bouffent, c'est con. Je me fais engueuler si j'ai plus de graines. Ah oui, ils te squattent sur le bord de la fenêtre. Ouais, t'avais expliqué ça quand tu jouais à Skyrim, c'était dingue. Ils te harcèlent en disant NAFA! Oh non. Ah ouais. Mais tu me fais penser, moi-même je suis mon autocritique, j'en ai pas acheté moi cette année. Je laisse un petit peu parfois des restes potables pour les oiseaux sur le bord de la fenêtre. Mais c'est vrai que cette année j'ai pas acheté des boules de glace. Si j'y pense quand je ferai les courses la semaine prochaine. Parce qu'il va y avoir encore le mois de janvier qui va être bien aglagla. Aglagla. Alors c'est pas du tout la même physique que hier avec WRCD, pour ceux qui étaient là. À chaque jeu son moteur physique. Faut que je m'adapte. Là les voitures ont l'air plus légères et aériennes, elles ont l'air moins lourdes. Donc il me faut un petit temps d'adaptation pour le cerveau. S'il vous plaît. Ah, trop large. Oh là là, il faut que j'arrête de prendre des photos du paysage là. Ouh là 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 là. Stylé.
suis en train de penser qu'il faudra que j'aille un petit peu à la plonge, mais tout à l'heure. Ouais, c'est encore un peu de vaisselle à faire. Ouh, je vais me manger l'arbre, j'ai pas vu le trou. Je suis passé. Bah tiens, là je me le mange. J'étais passé à 10 cm du truc. Ah bah oui, mais. Bah j'ai pas trouvé la marche arrière, dis donc. Je voulais enclencher la marche arrière, mais je l'ai pas trouvé à la manette. Tant pis. Non, non, oh là là, je me vois partir dans le décor. Waouh, j'arrivais pas à redresser le véhicule. Ouais, faut que je m'adapte aussi à ce châssis, je la connais pas du tout, la Nissan. Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est la digestion du café au lait. C'est le rototo du matin. Oh, j'aime bien le ciel dans le jeu là. C'est superbe, ils font. C'est des vrais tableaux. Ils ont su bien jouer avec la balance des couleurs dans la composition de l'image. Magnifique. Oh, oui, oh regardez-moi ça. Superbe. C'est superbe. Vous comprenez, si je fais pas mon bavard, c'est que j'essaie de rester un brin concentré. Alors que honnêtement, je pourrais vous raconter des âneries spontanément lors des lignes droites. Ah, ça me fait penser, j'ai toujours pas regardé à la téloche le trophée Andros et les courses sur glace. Ah, enfin, j'essaie de penser. Ou alors je triche. J'utilise la sacro-sainte puissance de l'internet et je me mate des archives. Moi, je verrai, je sais pas. Excusez-moi. Alors, que je fasse pas de bêtises, continuez. Ah, puis c'est bien. Comme j'ai éternué dans ma manche et que j'ai un pull, les poils ont commencé à me chatouiller le nez. Donc je risque de rééternuer. Tout va bien. Oula, c'est quoi cette caméra qui devient folle? Je sais que je colle la rambarde, mais quand même. N'abusez point. Merde. Ouah, je crois que la route continuait tout droit, moi. Oh non, j'ai bousillé ma bagnole. Oh, c'est pas évident hein, de dire le tracé sur ce jeu-là. Oh! Hop, 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 hop. Et la marche arrière? Ah non. Je peux demander la remise en course du véhicule, mais la marche arrière, je l'ai pas trouvée. Oh putain! Oh, cette caméra! Attends. Mais là, je suis encastré. Donc, je fais comment pour revenir en arrière? Ah! C'est à la gâchette. Panique à bord! Attendez, les caméras. Alors, attends. Hop là, et comment je renclenche la première? Non, ça c'est les caméras. Ah, c'est comme ça. Alors moi je serai pour la prochaine fois. Par contre, merci. Non, 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 la caméra était la bonne. Putain. C'est la première course, merci de votre indulgence. Je vais arriver avec plus d'une minute de retard, au secours. Ah bah tu parles, ils sont déjà tous arrivés. Moi je suis encore dans le patelin. Je fais neuf.
Oula, oui, j'ai paniqué là. Je savais pas où était la route. Voilà, je suis comme ça là, là. Voilà, ah, cool. Bon, au moins c'est un truc d'acquis. Je sais enclencher la marche arrière. Voilà qui va bien m'aider dans les heures à venir. Non, la rivière, je vais y aller. Oh putain. Oh, pas qu'un peu. Oh. Voilà, c'est fait. La voiture, elle est toute propre. Oh non! Non, le dernier. Souvent, alors ce jeu, j'ai remarqué, le dernier virage dans les étapes, il est vachement traître. Donc si tu fais le nigo en disant chic, je vais rallier l'arrivée, que tu le vois à vue, et là tu te plantes comme un caca parce que t'avais pas vu qu'il restait un virage en épingle. Ça m'a déjà fait le coup dans le précédent épisode. Merdoum! Je viens de renverser mon café au lait sur le siège. Oh, pas bien. Alors, Andrew Limbert, premier. Ah bah oui. Voilà, dans les points, oui, c'est pas top. Non, je vais continuer, je sais pas si. Parfois, je mettrai les ralentis, vous savez, quand on aura vraiment des phases de long bavardage. Oui, c'est vrai que ça fait très Paris-Dakar de voir le bolide là. C'est petit. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas le célèbre Mitsubishi Pajero dans les modèles à débloquer. Oh, je pense. Il y a quoi? Il y avait quoi? Une dizaine de voitures grisées? Ah oh, oui, ce serait surprenant que le modèle n'y soit pas. Le modèle y était en plus en Gran Turismo, dès le 3 je crois. Ah, que j'y rejoue aussi au Gran Turismo là, j'étais sur le 3 lors de ma phase de test. Vaste prairie. Oh le saut, vache. Alors eux, j'ai remarqué, ils sont pas sués. Ils passent pas par le pont, ils passent carrément par la rivière. On dira, c'est peut-être une manière de préserver les amortisseurs. Donc j'ai fait un saut à la sortie du pont. Très mauvaise trajectoire et trop de vitesse. Bien fait pour ma tronche. Pas aimé. Oh, il y a un dirigeable dans le ciel, je peux voir. Ouais, je suis déjà un petit peu plus dans le coup, mais ça joue aussi avec l'étape en question. Là, mon rythme est meilleur là.
finis petit à petit à m'adapter au bolide. Enfin, faut-il encore que je parte par la faute? Voilà, comme je viens de le faire. Ah, les lits sont coupés. C'est beau. Wow. Non, un patelin. Il faut pas que je perde la le tracé de vue. On n'a pas encore eu le coup de passer. Bah si, j'allais dire au beau milieu d'un patelin, mais si je suis bête. L'étape précédente, c'était le cas, je m'étais même encastré dans le décor. À un moment aussi, il y a une arrivée que j'aime pas beaucoup. Je sais plus quelle étape. On la verra sûrement aujourd'hui. L'arrivée se fait. Oh non, il est chié, j'avais pas le droit de prendre en biais. Oh, il m'a puni au niveau du moteur. L'arrivée est quasiment dans une ferme. Et il faut esquiver la grange, quoi. C'est pas évident. T'arrives à toute perzin, puis en général, tu finis dans le matériel agricole. Ce qui te stoppe net dans ta course à 50 mètres de l'arrivée, le truc bien rageant. Oh, une étrange bâtisse. C'est une église. C'est vachement élancé. Ah, mince, là. J'ai endommagé la tuture. Ibi. Ah, 30 secondes de retard. Oh, le pire que j'ai fait, c'est d'avoir carrément une minute de retard. Ça m'était déjà arrivé. Allez, Iso, course suivante. Ouais, il y a 3 courses par coupe. Ah, j'ai loupé mon départ, mais j'aurais dû accélérer tout. Commence la même. C'est marrant que ce soit le même début pour le même coupe. C'est une coupe différente, je dis pas, mais je trouve ça étrange. Je me souviens pas de ça. Je pense qu'on va bifurquer à un moment donné sur une autre portion qu'on n'a pas faite.
C'est juste le départ qui est superbe, le décor qui reste le même. Ah, alors, qu'est-ce qui leur arrive? Ils défoncent les balises de. Il y a des trucs bizarres par moment dans le jeu, c'est marrant. Là, la course peut vraiment changer du tout au tout en peu de temps. Ah, le rythme est bon, le rythme est bon. Il suffit que je dise ça pour que je me plante. Non, pour le moment ça reste strictement le même parcours. Oh, bizarre. Un peu tristouné de mettre deux fois la même course dans la coupe. Vraiment là, c'est dubitatif. Encore, on l'aurait faite dans l'autre sens, je dis pas, mais étrange. Ah, on est à mi-parcours. On le voit à la barre en bas de l'écran. Oui, alors là, j'ai pas compris entre la. J'ai pas su lire la sortie de village. Je me disais, mais je vais à droite ou je vais à gauche? C'est mignon comme cadre. La vache, le passage dans la boue et le cours d'eau. Ah, il y a toujours quelque chose d'oppressant dans les vallées encaissées, les canyons. Ah non, c'est un château! Oh, stylé! Elle fait penser à la chanson de Michel Polnareff, Le château de Laz. J'aime bien cette chanson. Putain, j'ai freiné, mais misère, pour pouvoir contrebraquer et lui dire de tourner. Elle est poussive la tuture pour le coup. Ah, c'est bien, je suis second. Oups. Oh, j'ai perdu. G. Odimoon qui est connecté. Ah bah bonjour à John Odimoon. Encore que je vous cacherai pas que je soupçonne que ce soit ce qu'on appelle un compte fantôme. Mais il allait me chercher le nom d'un connecté au pif.
Vu le pseudo, je pourrais même dire hello, à mon avis, c'est un anglophile. Alors, Fujitsu Tsimen, faisons cette coupe. Ah oui, je vais essayer de maîtriser le Nissan Terrano. Go. Faire des autotamponneuses, là c'est pas cool de s'accrocher dans le jeu là. Dans 3 cas sur 4, c'est le joueur qui est perdant. Pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les autres concurrents. Hop 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 hop, oui, ils ont fortement ralenti là, ils m'ont fait peur. Putain, je me voyais les percuter de plein fouet là. Bah lui c'est loupé. Ouh, mes amortisseurs ont bien dégusté. Faut bien lire les boss. Bien décrypter le relief. J'en dommage déjà les pneus parce qu'il est vrai que je force un peu la direction au dérapage. Le véhicule apprécie pas spécialement ce que je comprends. Je ne peux déjouer les lois de la physique, on n'est pas dans Matrix. Je pense à la conversation qu'on a eue avec Bob sur Matrix récemment. Hop. Alors là je comprends que les pneus prennent cher parce que je suis parti dans un dérapage pas vraiment contrôlé et là je comprends que les pneus est morflé. Alors nous sommes à mi-course au niveau de l'étape parpaing. J'avais espoir de pas le percuter, je suis encastré. Je suis donc dans la mouise, je vais demander l'assistance. Et merde. Ah, pas cool. Aïe. J'ai fait une sortie de virage trop en extérieur. Bien fait pour ma tronche. Je me suis laissé piéger. Non, je pensais que je pouvais couper. Grave erreur de ma part. Parfait pour ça.
J'ai l'impression qu'il reflotte. Il fait tellement gris que moi que j'ai laissé mes volets fermés et je suis à la lumière artificielle là, pour que vous puissiez voir à peu près correctement ma tronche. Mais j'entends les gouttes qui tombent sur mon balcon. Il devrait y avoir une pluie battante en incliné à mon avis. Oh là là, je vais finir. Heureusement que l'arrivée est toute proche parce que je vais finir avec les pneus éclatés. Je vais finir l'étape sur les jambes. Bonjour, fun fan. Alors, comment vas-tu en ce mercredi matin? Ouais, il n'est pas vu dans le virage. Ah, avec les pneus en piteux état, j'arrive même plus à freiner ni à tourner. C'était limite pour que le dernier ne me double pas au dernier virage là. J'étais parti pour m'encastrer dans le décor. Ah, arrivé une demi-heure avant le réveil. Eh ben voilà. Ouais, t'avais mis à 11h. Ouais. Hop. Là, je vais mettre regarder la vidéo parce que je vais m'offrir une petite pause. Grâce au ralenti. Vous voyez, je sirote mon café au lait. Je vais regarder ma tablette aussi. Je vais continuer à enchaîner les courses derrière le ralenti là. Hop là. Oh, faudra que je nettoie la surface de ma tablette pour les caca beurre. Faudra que je l'éteigne complètement et que je passe une lingette désinfectante dessus. Alors. Quelques secondes, je devrais pouvoir interagir dans mon propre chat avec le cybermatou via la dite tablette. Enfin, si j'y parviens. Ouais, je vais laisser la tablette décanter. Sortir du coma. Ah là 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 là. Oh là, ouais. Ah, j'étais arrivé, ouais. Ah, je comprends pourquoi les amortisseurs ont morflé. Ah non, c'était impressionnant. Ah oui, faut que ma tablette sorte du coma là. Oh là là. Dur. Tiens, je suis en train de voir que j'ai des infos contradictoires. C'est bizarre. Vous voyez mon compteur de fidèle, là, le fameux 43. Donc dans mon interface, il me dit 43, la source, c'est Streamlabs. Je regarde ma tablette, il me dit que sur ma page, on me reconnaît 43 fidèles.
Et je regarde mon interface de contrôle intégrée de Twitch. Donc je suis sur mon navigateur internet sur twitch.tv. Mais dans mon interface de diffuseur, il dit que j'ai 44 fidèles. Donc c'est bizarre que ça oscille dans les variables. Tout n'est pas au diapason. C'est le mystère de Twitch, on va dire. Alors je suis soucieux du détail, non pas que j'essaie de grappiller un à un les fidèles, mais c'est parce que j'ai ma conscience professionnelle qui déteint sur mon temps de loisir. Comme je suis technicien informatique, instinctivement, je vous dirais, je cherche à tout décrypter, à tout comprendre. Être un peu comme Neo dans la Matrice, tiens, pour revenir à ma métaphore là, j'essaie tout de suite de voir les lignes de code défiler sous les yeux pour comprendre le comment du pourquoi ça se déroule et que ça fonctionne. Je suis en train de penser à un truc. Oh là là, oui, comment je m'étais encastré. Bah oui, la roue était passée par-delà le pont. Là, je pouvais plus rien faire. Je suis en train de penser à un truc. Là, on parle des droits d'auteur, des MCA, Twitch et l'habillage sonore en fait. Donc, j'ai la chance de composer mes propres œuvres. Mais ça ne déplairait pas de jouer les œuvres des autres si j'en ai le droit. C'est-à-dire des œuvres libres de droit comme les miennes en fait. Mais je partirais bien en quête d'œuvres d'autres compositeurs. Ah, que j'essaie de faire ça dans le courant de l'année 2022. Ça me plaît bien. Ah oui. Quelle idée d'aller dans le fossé et de couper l'intérieur du virage. Mais je suis un baboule moi. Hallucinant. D'ailleurs, je suis très musique électronique techno, mais dans la musique libre, il y a tous les genres qui sont représentés, même la musique classique, alors rarement, mais c'est le cas. Il y en a qui composent ce qu'on appelle la musique de chambre. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, là, vous serez peut-être intéressés que je change un peu mon répertoire, que je mette du rock, je ne sais pas dire de la chanson française, parce que je n'ose imaginer ce que je pourrais piocher. Encore que des poésies mises en musique, c'est classe. Mais je sais pas, genre rock, musique classique, en dehors de la musique électronique. Bon, il faudrait que je vois ce qui se fait. Mais j'ai un gros regret quand même ces dernières années. C'est la disparition d'un site que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Dogmazic, qui était en financement participatif, en gros. En fait, il fonctionnait sur des donations. Et année après année, alors que le répertoire de musique libre à télécharger était grand hein, et varié, je m'étais amusé tout un été à écouter toutes les musiques électroniques et à émettre des critiques par rapport aux auteurs. Et puis, manque de bol, là, il y a quelques années, bah, il a fermé parce qu'il n'y avait plus de financement, il n'y avait plus de dons. Et les locations de serveurs, c'est pas gratos. Donc, dommage quoi. Le site a fermé. Je trouve que c'est une grande perte. J'ai pas regardé depuis sur internet s'il y avait des équivalents qui étaient nés en remplacement. J'en fais vœu, mais j'en ai pas eu vent. Donc, c'est dommage. Oui, t'es pour, Oli, moi. Bah, je verrai. Dans le courant de l'année à venir, ce serait sympa de voir ce qu'il en est. C'est un aspect de l'internet qui me plaît beaucoup. Allez, zizou, on va enchaîner avec la course suivante. Ah, la course 2 sur 3. D'ailleurs, voyons que je regarde le hop avant qu'il me lance la course. Ah oui. Là, je vois ce qu'il en est. Ouais, you, c'est parti.
Ah, c'est le terre de cendre là. Oh là là, il y a un passage assez angoissant. Où on dirait qu'on passe après un incendie de forêt. Ah ouais, le paysage il est lunaire ici. Tamponneuse, c'est très désagréable. Là, il m'a fait plus qu'une poussette, là, il m'a carrément déboîté. Surtout tourne quand tu veux. Oh. Alors là, c'était poussif là. Ah non, j'entends le bruit de la pluie dehors. J'ai bien fait de faire mes courses tôt le matin parce que. Là, il se met nouveau à pleuvoir joyeusement. Oui, j'allais dire, je passe par où là? Peut-être de voir le monolithe au milieu de la rue. Ça fait flipper. Waouh, on est qu'à un quart de la course. Ah, il est comment ce tracé? Hop là, hop là, hop, 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 hop. J'arrive un peu trop vite. Mais je vais me progresser. Non mais ouais, il est quand même bizarre ce paysage. Ouais, ça fait vraiment la sensation qu'on est en train de rouler sur des terres brûlées, quoi. Bah tiens, en plus il y a la carcasse de l'avion. Mais c'est pas idiot hein, comme thème. Mais ça fait bizarre. Attends, faut que j'aille où? Ah oui. Wow, mais il est fou lui. Qu'est-ce qu'il fait le Mariole dans le tunnel? Ça c'est un bug d'intelligence artificielle, c'est pas possible. Je suis mort. Aïe 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 aïe. Apparemment, je suis pas le seul à être tombé, j'ai l'impression. Wow, voilà, la reprise, elle est molle. Hein. On se demande où est la motricité.
Ok! J'ai pas compris le parcours! Non, non, mais remets-moi sur la route là! Je suis tombé dans la carrière! Oh merde! Non, c'est la première fois que j'ai un élément en rouge, je crois, sur la bagnole. Ma tuture est morte. Ah, c'est ça, c'est une ancienne carrière. Stylé. Tiens, en parlant de carrière, je pense à Biohazard 5, le 5. Resident Evil 5, la phase dans la carrière. Ça va te parler, faute fan, c'est ton opus favori de la saga. Avec Lara Visant de Sheva. Là. Oh là là, garé derrière le camion. Ah, c'est rigolo ça. Ça c'est marrant. Elle est pas mal celle-là. Le roi du créneau, allez hop. Ah, c'est rigolo. Yeah, surgent diamant, la classe. Je veux bien regarder la vidéo une nouvelle fois là, parce que c'est vrai que l'épreuve là, elle était terrible. Surtout mon gadin dans le dans la carrière. Pour le coup, le ralenti vaut le coup d'œil. Attendez, j'ai un truc qui pendouille, ça m'agace un peu. J'aimerais que ça arrête de pendouiller. Oh, pardon. Je suis en train de défoncer mon micro et mon cadrage de webcam là. Attendez voir. C'était comment? C'était comme ça, je crois. Mais pourquoi il se barre maintenant là? Non, je l'avais peut-être. Peut-être que je le mette au-dessus. Excusez-moi, je suis en train de tout bousiller en fait de mon côté. Voilà. Oui, déjà le départ était farfelu. Aïe aïe aïe. Alors, elle est toujours en PLS, ma tablette? Ouais, je sais pas ce qu'elle va faire. Je dirais pas non à l'autre boisson. Celle-là j'aime bien aussi, pardon. Ah oui, oh là, le freinage loupé. C'est bien la langue de caméra, on voyait très nettement. Ouais, lui, l'autre, le concurrent derrière, si vous avez bien vu, il s'est pété carrément le rocher, lui. Il est vraiment parti au contact, il a fait pire que moi. La modération tout à l'heure, bah c'est chez Japuche, donc j'ai fini deuxième de la course là, SDR de la course là. Mais ce qui est impressionnant de voir, c'est vue aérienne, enfin du moins détachée,
de mon gadin dans la carrière. Oui, je sais que t'es là, FunFan, je n'en doute pas. Oula, j'ai tellement bien percuté le décor qu'on a vu à travers la texture. Oui, FunFan, cet après-midi, quand je te ferai le relais de chaîne vers 13h pour le Need for Speed, une autre forme de vroom vroom, comme je disais dans mon introduction. Moi, j'en profiterai aussi par la même occasion de mon côté. Il faut que j'injecte, je suis en retard au niveau de la mise à disposition de mes derniers directs sur YouTube. Il faut falloir que je fasse un peu fumer YouTube là pour que je sois pas trop à la traîne. Surtout que théoriquement, la semaine prochaine, en plus, je devrais diffuser tous les jours au moins une demi-journée par jour, si c'est pas toute la journée. Je vais en profiter un max, je suis ravi d'être avec vous, vous le savez. Et puis j'ai envie de récolter le plaisir d'avoir bossé sur ma chaîne, d'avoir plus qu'à démarrer, que ça marche, quoi. Tant que je suis en repos, que j'en profite. Oui, c'est un peu. Enfin bref, il y a des plans de caméra. Sans commentaire. À nouveau accès à mon chat. Voilà, ouais, c'est bien. Donc pareil tout à l'heure chez FunFan, je fais usage du cybermapping pour la modération. Ça me permettra d'avoir les contrôles. Encore que je dis ça, non, je suis en train de voir les contrôles, je les ai pas d'actifs sur la tablette. Oui, coucou. Oui, c'est mon second compte de modération. Attendez voir. Comment je fous sur la. C'est bizarre d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Que je puisse mettre le. Parce que je suis bien modérateur, mais je suis en train de voir que j'ai pas la possibilité de supprimer les messages. Oups, merde, j'ai loupé mon fameux gadin. Ouais, c'est pas grave, je le reverrai à la rediffusion. Oui, c'est bizarre. Là, je peux écrire les tests coucou, mais c'est pas ça qui va me donner accès aux options. Oups, 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 c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire, merdoule. Ah, alors là, l'interface est mal foutue. Ah, là, je peux virer le. Ce que je peux, je peux, que je peux. Il me propose pas le. J'ai les paramètres de discussion, ouais, mais il me donne pas le. Oula, oh, l'arrivée mouvementée. Bon, bah je verrai ça plus tard sur la tablette, mais c'est pas clair. Je pensais que j'y aurais accès, mais apparemment c'est pas aussi instinctif que ça, on va dire. Ah là 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 là. Allez, Zouk! Une nouvelle étape, des nouvelles aventures.
Ok, je suis sur la partie rocheuse du terrain. Je repense subitement à la musique, mais il faudrait que je demande l'avis de Chris. Vous savez, Chris Goldock, qui vient de temps en temps sur la chaîne et que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur la chaîne de Cadeau Anthony. Il compose de la musique rock. Mais je ne sais plus s'il le fait à titre gratuit ou quoi. Il est 11h. Ouais, je te pose la question parce que j'avais écouté quelques-unes de ses compos à Chris et j'avais bien apprécié, alors que je suis pas rock. Enfin, je suis pas rock, je suis neutre en fait. J'écoute volontiers si c'est diffusé, mais ouais, c'est bateau bateau. Mais je suis pas spécialement demandeur, quoi. Pas caché, pas, je crois qu'il fallait aller à gauche. Ouh, il y a pilote qui me rentre dedans. Merci, alors que je suis en phase de freinage. Ça aide vachement. Qu'il y a la carte en bas à gauche à lire, parce que avec le dénivelé, je savais pas où est-ce qu'il fallait aller. Sortie de la côte. Oula, il a fait un tout droit l'autre. Oh, je rêve ou c'est des éoliennes au bord de mer? Oh, oh non! Oh, la bouée de sauvetage! Je fais un beau naufragé. Non, bah remets-moi en place parce que même là, j'arrive même pas à redémarrer le véhicule, quoi. C'est n'importe quoi. La perte de temps. Ah, c'est des pylônes électriques. Oh! Mulet, je n'y pue. Bien joué. Bête prise. Ah, je crois que c'était des éoliennes, mais non. C'est carrément des pylônes électriques. Ah non, c'est des. Non, c'est pas des pylônes électriques, c'est des palmiers. Et il y avait des voiliers. Ok, elles sont imaginaires, mais. Les éoliennes. Elle est bonne celle-là. Oh mon Dieu. Faut dire aussi, ça je dois l'avouer, quand je fais face à une éolienne, je suis hypnotisé. Lorsque j'ai eu la chance d'être en vacances la dernière fois, un été, là, il y a 4-5 ans, c'était à Sigean, dans la région des Pyrénées, Pyrénées méditerranéennes, là où il y a une super réserve animalière africaine, que je vous conseille vivement. Bref, je pense à plusieurs trucs en même temps, faut que j'arrête, je vais être confus dans le propos. Les éoliennes, j'avais vu un descriptif sur un plateau à Sigean.
C'est dingue, la technologie que ça embarque dans les têtes des éoliennes. Moi, j'étais très surpris d'apprendre qu'il y avait un réservoir d'eau dans la tête de chaque éolienne. Parce qu'en fait, ça permet de garder le mouvement d'inertie au niveau de la motricité des pales et de l'axe de rotation. Et je sais plus quoi. C'était vachement bien expliqué. D'ailleurs, je pourrais retrouver l'explication puisque j'ai pris le temps en fait de faire des photos des panneaux du groupe EDF là qui expliquaient bien la technologie mise en place. Je me suis posté au pied, mais vraiment à 1 mètre près, au pied de l'éolienne, et quand vous levez la tête, c'est oh, vertigineux, forcément. Non, non, j'ai beaucoup. Ouais, c'est des palmiers. J'ai beaucoup d'attrait, de. On peut pas dire d'affection, mais d'admiration en fait. Pour me dire, merde, l'homme arrive à faire ça. Et les éoliennes, je reconnais que ça. Ça attise ma curiosité, mon intérêt et mon admiration. Wally Wallou, vous savez tout. Alors là, j'ai rien du tout gagné dans la Goodrich. Je vais peut-être essayer de. Enfin, si, j'ai gagné une course là, j'avais un truc, une coupe en or. Je n'y comprends plus rien, mais allons-y, allons-y gaiement. Ah là là. Petite parenthèse triste dans ce que je pensais par rapport à Sigean, et je vous ai parlé de la réserve africaine. J'avais appris dans l'actualité, souvenez-vous du drame terroriste de le lieutenant Beltrame qui s'est fait malheureusement assassiner. Là, c'est un fait de facto historique. Et son épouse est veto dans cette réserve africaine de Sigean. Ah là là, terrible ça. Ou des panniennes. Je te lis rapidement, Olive. Wow! Oh l'accrochage! Oh non! Eh là, commissaire de course, disqualification du concurrent là. Il m'a envoyé valser de manière pas classe. Là, c'était délibéré, intentionnel. Ah non, c'est moche ce qu'il vient de me faire. Même moi, je le fais pas. Du moins, si ça arrive, c'est vraiment un accident là, parce que. Tiens, bien fait pour leur tronche, allez hop. Voilà. Tiens, j'ai pas fait exprès. Mais non, mais il recommence l'autre, et oh! Il est hors de question qu'ils prennent un abonnement poucette là. C'est abusé. Oh, c'est la course, je conteste. Eh, sans déconner, c'est pas censé être du stock-car, hein. On n'est pas censé se claquer la bise, c'est-à-dire rester portière contre portière régulièrement. Hein. C'est censé être, je dirais pas aérien, mais assez espacé. Il y a de quoi faire place. Et non, là, c'est abusé, là. Oh non, je pilote bien, il exagère quand il dit que j'entame les pneus. Il me fait peur, lui. Tant pis, je passe entre les arbres. Il y a triche. M'en fous. Tiens, bon, moi aussi je pousse. C'est très viril. J'ai complètement merdé ma lecture de route. Tourne quand tu veux la voiture. Non, bah non, oui, alors oui, d'accord qu'ils vont pas me laisser passer, mais bon. Il y a une manière élégante de dépasser, je suis désolé. Et je suis en train de me dire cet après-midi que Fun Fan dans Need for Speed,
S'il pouvait nous faire le dépassement le plus classe qui soit, le dépassement en cascade par-dessus le concurrent. Ça, c'est toujours génial dans les jeux vidéo de faire ça. Voilà, ça c'est un dépassement propre. Enfin, faut-il encore qu'il se... Oui, bah, se penche la balise. Non! J'ai viré... Ah, pour une fois que c'est moi qui le fais. Pour une fois. Une fois n'est point coutume. Ah, dernier tiers de la course. Ah, quelques bâtiments modernes, c'est bien pensé. Mais je sais plus qui c'est qui avait mené des recherches, même si c'était pas Cyber Jojo, quand il était de passage, quand j'avais fait le... une première fois ce jeu Master Rally. Là. Il m'avait dit que au niveau contenu, il paraît qu'il y en a pour une trentaine d'heures avant de le finir et de dévoiler toutes les coupes de contenu. Ce qui est vachement bien pour un jeu de course. Mais il est exigeant, hein. Il est pas évident. Là, en plus, je suis content d'être deuxième en plus. C'est que je finis par m'habituer à la tuture. Ça y est, le dernier, il arrive. Ah y est, il est arrivé. Quand je lis Philippe Bétail, je pense au... C'est FunFab qui va me confirmer. Les deux compères là qui à un moment avaient cartonné sur TF1. Je viens de repenser à un truc à leur sujet d'ailleurs. Je sais plus lequel des deux qui surfait sur sa notoriété publique. Et lors d'une interview dans sa loge, il avait laissé trahir qu'il était infidèle. Parce que j'avais vu en arrière-plan dans sa donc sa loge, salle de bain là, il y avait un traitement contre la syphilis. Donc il avait apparemment des MST. C'est pas très. Enfin bon bref. Faut assumer. Ah là 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 là. Ça m'avait marqué cette image. Ah ouais non mais j'avais éclaté de rire moi quand j'avais vu ça. Mince, je suis l'idiot en vous racontant l'anecdote du PAF, du paysage audiovisuel français. Alors, il y a ça qui m'avait fait cathédrer spontanément et dans le même genre. Souvenez-vous de l'histoire de la... Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. L'histoire de la française la plus riche, que je sache, qui est Madame Bettencourt. Quand elle faisait la une de l'actualité, là, par le fait que, je sais plus, il y avait un photographe qui aurait pu abuser d'elle, mais au niveau financier, bref. Il y avait eu également, elle avait eu le droit à une interview où elle avait parlé face caméra chez elle. Et en fait, on voyait en arrière-plan sur sa table de nuit, elle avait, accrochez-vous bien,
Elle avait un authentique godemichet en or. Je m'étais frotté les yeux en me disant, mais je ne sais plus ce que je vois. Conclusion, madame ne fréquente que des couilles en or. On peut le dire. Et sans déconner, je dis ça sans. Oula, j'ai du mal à tourner. Sans souci, puisqu'on peut, on peut retrouver, illustrer mon propos, on peut retrouver dans les archives l'image. J'en avais discuté avec je sais plus qui d'ailleurs en ligne à l'époque, qui m'avait confirmé qu'effectivement il avait observé la même chose. Ah bah apparemment oui, tu l'as vu, Olive. Oui, bah oui, il a regretté en merde, mais bah tant pis, allez jouer dans l'eau. Oui, il a regretté Madame Bettencourt. Ouais. C'est vrai qu'au niveau revue technologique, je sais plus. J'arrive plus à retenir qui est encore de ce monde ou pas. Surtout comme mon papa, faux mon papa, là, il y a eu pas mal de. Déjà de disparitions dans ce qu'on appelle la génération du baby boom. Il était de cette génération-là, sorti de l'après-guerre. Il fêtait justement l'armistice. C'est vrai, c'est dingue. Je vais vous confier enfin, pas de secrets, mais deux anecdotes de ma famille. Mon papa, lui, il est né en 47 et il avait été conçu pour fêter l'armistice, en fait, la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Bon, un peu tardivement, hein. Il est né en 47, mais ça faisait partie. Il fallait s'en remettre, de toute façon, sorti de la guerre, c'est pas instantané. Moi-même, vous saurez que j'ai été conçu par mes parents pour fêter l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir à l'Élysée en 81, parce que je suis né en 82. Voilà, vous savez tout. C'est dingue, c'est des événements historiques, mon père et moi, qui ont fait que nous sommes venus au monde. C'est dingue. J'arrive trop vite. Allez, courage, j'ai l'impression de la course, ils ont plus de 30 secondes d'avance maintenant. Bon, mon véhicule est en bon état, mais je suis à la bourre. L'état plat ne me réussit guère. Ouais, ils sont déjà tous quasiment arrivés. Chabalabalabalou. Oh la vache! Il fait peur ton kappa en diable complet là. Waouh! Alors non. Alors attends, tu fais bien de parler de Papy Boom Fanfan. Figure-toi qu'en cours d'économie droit au collège, ma classe avait émis cette théorie qu'on avait étudié les effets économiques du baby boom. On avait anticipé le fait que toute cette génération meurt quasiment dans la même tranche d'âge. Dans la même décennie, qui apparemment est en train de se passer malheureusement, et on avait appelé ça le papy crash. Après le baby boom, le papy crash, parce que dans les statistiques, s'ils meurent tous les uns derrière les autres, et c'est con, mais on est dans la période dite théorique du papy crash qu'on avait élaboré mes camarades et moi en classe. Oula vache, oula, s'il n'arrivait pas évidente. Oh, ça va encore, c'est correct. Je suis bon dernier. Ouais. Ah, c'est joli, on voit les 4 véhicules pour l'image de fin. Oh la vache, le retard monstrueux que j'ai sur cette étape. J'ai n'importe nawak. démarrer la course. Ah oui, c'est la troisième course, c'était la deuxième. Ah, je croyais que j'avais fini la coupe, pas du tout.
À son époque, ils pensaient tous qu'on allait mourir en 2000. Oh! Alors ouais, parce qu'il y avait quoi? Il y avait déjà la théorie dite du bug de l'an 2000. Il y avait les sectes qui avaient le vent en poupe à ce moment-là. Surtout le fameux français Raël, qui avait fait, on peut le dire, un carnage à sa manière, d'un point de vue sexuel, aux États-Unis. Et oh là là! Je me souviendrai toujours du témoignage de la jeune femme qui était chez Marc-Olivier Fogiel dans On peut pas plaire à tout le monde. Elle avait témoigné de son emprise complète en étant dans la secte de Raël, quoi. C'est hallucinant ce que tu peux faire faire aux gens quand t'as une totale emprise sur eux, quoi. Mais dingue. En des propos non crus, je crois que c'était tous les jeudis midi dans la secte. Il se réunissait dans une salle qu'il avait aménagée exprès avec un mur en grand miroir. Et il devait se contempler l'arrière-train avec un miroir en étant à genoux. Enfin bref, c'était hallucinant les propos au niveau témoignage. C'est. Enfin bref. De retour en cours. Oh, déconne pas. Le fait que je parle de l'image de la secte, c'est parce que tu as eu des formations comme ça sur les dangers des dérives en société, tu as eu des cours dits de sociologie, ou le fait que j'ai parlé d'économie droit. Tu peux pas relancer trop souvent ton son, Falfan. Je t'ai quand même mis un chrono pour que t'abuses pas trop, Canani. Je pense que tu peux le faire une fois par heure, on va couper dans ton chapeau là. Oh, ils sont beaux les arbres, c'est des cyprès, je crois. Encore un château. Ouais, faut éviter de spammer. Non, mais j'ai réglé quasiment toutes les commandes. J'ai fait en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas trop d'abus par chacun. Normalement, j'ai bon espoir d'avoir un bon équilibre. Si on va dire, j'ai pensé mes chiffres en disant on va être au mieux une cinquantaine dans le top audience de ma chaîne dans les mois à venir. Puis j'ajusterai en fonction de ce qui se passe, quoi. Si finalement on n'est pas trop nombreux ou si c'est l'inverse qui se produit, essayer de garder un bon rythme pour tout à chacun, quoi. Oh là là, je perds le contrôle du véhicule. Je pars en toupie, c'est n'importe quoi. On est à mi-course. Hop, 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 ah, non, là, là. Oh là 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 là. C'est limite si j'ai pas coupé accidentellement, mais alors j'aurais pris des dégâts de fou. Faut quand même que je garde un œil par intermittence sur la carte en bas à droite gauche. Ah, je fais de la mouise là. J'ai parlé du son de Fun Fan, j'ai fait de la mouise. Et puis je me reconcentre aussi vite que Ah là, ils prennent le pont. Ils ne traversent pas la rivière. Quoi? Après, on te dit au revoir. Ah! À la base, je suis là que pour la phase bêta, mais non. Ne dis pas n'importe quoi, Fonsal. N'importe quoi. Bah bon courage pour le taf, hein, Olive. Merci, bonne journée à toi. Bon, tu m'as rassuré tout à l'heure d'un propos en me disant que t'étais dans une ambiance plutôt cool en ce moment. Et que là où tu bosses, ça va. Donc bon courage à toi, et puis à très vite, Olive. Merci d'être passé. Hop. J'arrive un peu trop vite.
Ah, c'est là où il y a le truc agricole et que la dernière fois je m'étais pété la grange en pleine tronche. Bah, c'est le cas des autres, visiblement. Oh, tata, il est chiant de se mettre au milieu de la route. Non, je n'ai pas réussi à prendre le pont. J'ai tellement d'inertie dans le dérapage que. La voiture, c'est nope. Eh bah, dis donc. Oh, il s'est renversé l'autre. Vous avez vu? Le concurrent s'est renversé les quatre fers en l'air devant l'arrivée. Ah bah c'est ballot ça. Elle est bonne celle-là. Quoi, SDR, je serai le nouveau JCR Destin 2.0. Oh non, au revoir. Non, 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 non. Quelqu'un l'a déjà fait, vous le savez, en votre âme et conscience. Non. On en a marre. Ah non. Oh non non, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Aïe 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 aïe. Mais, ah si, il revient. Si, il a été remis sur ses roues là. C'est bizarre. Là, je comprends plus, le celui qui était au fond en vert, c'était... Ah oui, il a 45 secondes de retard, c'est nimp. Bref. Oh là 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 là. Ouais, la Goodrich, j'ai du mal, hein. Punaise, j'arrive pas à performer, à être performant sur la... J'ai failli dire perforer. Bon, bah, bof, bof. Je me trouve plutôt en contre-performance pour cette session de Paris-Dakar. Alors, SDR, j'ai fait mon temps 6 mois place aux jeunes. Oh, n'importe quoi, vous avez fini, oui. Mais je n'ai que des sottises depuis une minute, là. Bah alors. Ah là là. Hop, je bois un coup. J'ai bien aimé ta vanne avec les pads SDR, à tel point que j'en ai fait tomber ma manette et que j'ai rattrapé au vol. J'ai failli merder mon départ en rigolant. Excellent. Oula, oui, faut pas que j'aille dans le ravin. C'est là d'avoir d'ailleurs l'avantage de garder les concurrents à vue face à soi, parce que ça permet une double lecture des trajectoires, du terrain à observer et comment piloter. J'arrive trop vite. Oh merde, je me suis garé devant le mur en pierre sèche. Hop, on prend le petit chemin en terre. J'ai dû avoir vu d'un. Hop 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 h
Perte de contrôle du véhicule. Ah, j'ai beaucoup la balise. Je vais y aller, forcément. Mais je trouve, sans déconner, que ce modèle de tuteur, j'en suis déçu. Parce que je trouve qu'elle a des problèmes de motricité, cette voiture. Je vais pas rejeter la faute sur le modèle totalement de ma contre-performance du jour, mais ça aide pas, sans déconner. Je préférais la fameuse Tata, là où je rigolais la dernière fois, avec pardonner. Non, mais là, c'est une catastrophe aujourd'hui. Oh là là. On se croirait presque sur Mars avec une vue pareille. Ah! Attention! Le freinage était coûteux. C'est technique, croyez-moi, c'est technique ce pilotage. Hop, fallait le mur en parpaing, c'est pour moi, c'est ma journée. Je suis déjà bougé. Sans déconner, le freinage est catastrophique sur ce modèle. Je peux rien faire. Et j'ai envie de dire, c'est pas glorieux pour le constructeur parce que c'est Nissan, c'est un modèle authentique. Donc, je me demande quelle performance j'aurais obtenu avec ce bolide en grand tourisme. Ils ont déjà joué à l'arrivée, enfin ils sont sur le point de le faire. Ma voiture tourne pas. Je suis très style. Eh ben, Woudoudou, ça aura été une étape dans la douleur. Attendez, le temps du chargement de la prochaine course, va falloir que je vous lise là. 2, 2, 3. Mais j'ai pas relancé la même course, moi, la même coupe. Je suis perdu. Enfin bref, peu importe, on s'amuse. Et en plus d'être vieux, tu me rappelles que je suis sénile. Je suis là pour ça, n'importe quoi. Bientôt, c'est plus dans le chapeau que je vais. Oh, fun fan! Ouais, c'est dur la fin de vie, ouais. Ouais.
Mais oui, on a déjà fait les courses. Oh, j'ai avancé deux fois la même coupe. Oh! Oh, la violence! Mais je l'ai même pas vu. Waouh! Le pont qui se confondait dans le décor. Oh là là! Le crash d'entrée de jeu, mais d'une violence. J'allais tourner à droite. J'étais attiré par la forêt instinctivement. C'est vrai en plus. Faut que je prenne l'habitude de jeter un coup d'œil sur la carte en bas à gauche. Eh ben dis donc, avec un début d'étape pareil, je suis pas prêt de la remporter là. Il faudra un miracle pour que je remonte tout le monde. Aïe 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 aïe. Bah, ça change les idées. Wow, les balises, elles sont larges là. Je peux tracer comme un. Oups, en plus je vais prendre le rocher. C'était une très mauvaise idée. Je pensais que ça allait faire un beau tremplin, mais pas du tout. La physique de jeu, du jeu ne me l'a pas du tout accordé. Merdoum. Je pensais que j'allais pouvoir sauter par-dessus tout le truc, mais pas du tout. Moi, je la sentais bien pourtant. Bon, bah, j'aurais essayé. Hein. Ça aurait pas payé. Oh, Aeroster, bonjour. J'espère que tu vas bien alors que je fais n'importe quoi. Non, mon pilotage est catastrophique. Non, mais j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Autant la première fois, j'arrivais à remporter des courses, une ou deux, et puis à être sur le podium. Là, je suis lanterne rouge, mais de manière catastrophique. Bon bah c'est bien, ça va bien. Oh, bah moi je vais de mieux en mieux, mon cher Aerostar. J'étais, on peut dire, littéralement épuisé les jours précédents. Moi habituellement je dors 7 voire 8 heures maximum par nuit. Et là j'étais parti dans un rythme de 10 et un 11 heures. Hébergement, ça fait plaisir. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci pour l'hébergement, Aerostar. Bonjour Zex de Citron, oula tout le monde qui arrive en même temps. Non, je sais plus ce que je disais. Bref, j'étais claqué, épuisé encore la semaine dernière où j'étais barbouillé quoi. J'avais, je sais plus si tu te souviens, je souffrais de la sinusite aussi. Le corps claqué, KO. Et puis là, bah, là, je suis dans ma première semaine de repos sur les deux. Donc, nuit après nuit, je récupère. Je refais des nuits normales de 8 heures de sommeil. Et jour après jour, bah, je me sens de mieux en mieux parce que je récupère, je recharge les batteries. Donc c'est cool. Déjà hier j'étais en bonne forme. Là aujourd'hui je pense que je suis parti pour être en bonne forme toute la journée aussi. Tu vas voir que je vais complètement pétarader pour le 31, le jour de l'an, ça va être bien. Hop, 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 la configuration piégeuse avec les baraques et le pont. Et pareil, même question à Zex de Citron qui nous a rejoint, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est la joie à la bonne humeur comme d'habitude. Bon, c'est la contre-performance au niveau du jeu que je fais aujourd'hui, mais on s'en moque. C'est pour se changer les idées. Mais merci tout plein pour l'hébergement. Je suis déjà en train de penser à mon contenu demain matin. Parce que je prendrai encore l'antenne demain matin avec grand plaisir. J'ai bien envie encore de me remettre le pif dans un FPS rétro. Alors je sais pas si je continuerai le Last Rite, si j'arrive à me débloquer hors antenne, parce que je suis bloqué dans la progression du deuxième supermarché. Ou alors on continuera l'étrange FPS à énigme égyptien qui est Last Rite, bah justement le jeu sur lequel j'étais. Quand tu m'avais fait un relais de chaîne Aerostar précédemment, je t'en remercie.
Parce que j'avais eu Devil Alive et je sais plus qui du coup ont fait acte de fidélité à ma chaîne suite à ton relais, merci tout plein. C'est d'autant de chaînes d'ailleurs qu'il faudra que je sais que Devil Alive est diffusé. Je l'avais aperçu rapidement une fois sur son direct. J'avais pas pu rester parce que j'avais un rendez-vous, autre chose à faire malheureusement. Et je suis pas retourné flâner sur sa chaîne depuis. Il faudra que j'essaye de. Que je trouve le temps en fait, quand elle est en direct, de lui faire un petit coucou et de voir ce qu'elle fait. Au pire, dans les prochains jours, je vais essayer de regarder une rediffusion. Je sais pas comment elle gère sa rediffusion, si elle laisse 15 jours après sur Twitch et ou si elle a une chaîne YouTube. Voilà, je suis bon dernier avec 45 secondes de retard, je suis archi nul. Mais on s'en moque. Par contre, là, je veux bien regarder le ralenti parce que ça a été une course cocasse celle-ci. Elle a été sacrément mouvementée. D'ailleurs, ça va me permettre de bavarder avec vous. Attendez, je vais lancer le ralenti, voilà, puis je vais poser un peu la manette. Je vais pouvoir me détendre les mains. Bon, comme un pianiste. Ah. Alors. Tac, 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 salutations, salutations. Salutations, salutations, salutations. Alors, tout va bien, nous disait que de cette ronde, de la joie et de la bonne humeur, en effet. Ouais, c'est cool, c'est bien pour recharger les batteries. Qui ça, Devil Alive? Attends, je vais faire sa pub. C'est quoi ma commande? Je sais qu'elle a une chaîne, mademoiselle. Attends, j'ai bien écrit le pseudo, je suis pas sûr. Ah si, j'avais bien écrit. Non, j'ai mal écrit. Ah, j'ai mis un i devant le l. Mais quel abruti je fais. Voilà. Voilà, c'est Devil Alive. C'est elle. Si je dis pas de bêtises, je crois que le peu que j'avais vu, c'était ce qu'on appelle une gothique. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais je crois que c'est une demoiselle gothique, je crois. Elle est maquillée en très sombre. Le côté rock, je pense qu'elle aime tout ce qui est rock, métal. Je m'avance peut-être un peu, hein, mais c'est l'image qu'elle m'avait donnée. Ah, c'est un monsieur? Non, sérieux? Oh, pardon. Bah, c'est bizarre de lire Devil Alive, je pense comme Olive qui tue au prénom Olive. Ah ouais, je dois confondre. Mais alors, avec qui que je confonds? J'avais vu brièvement une demoiselle en... Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Ah bah c'est du propre. Ah mon dieu, n'importe quoi. Non, ça n'a rien à voir, Olive qui tue et Devil Alive, que je sache. Mais ah, c'est un garçon... Oh là là. Oh. Je pensais que ça faisait tremplin, bah voilà le résultat. Mais bah merci de rectifier Aeroster, je suis vraiment dans la confusion, pardon. Donc c'est un garçon des Devil Alive. Bah du coup ça me fera plaisir de faire la découverte. Alors attends, c'était quoi la description de sa chaîne? Bienvenue sur ma chaîne, je suis passionné de jeux vidéo depuis tout jeune. Je souhaite partager ma passion, un programme de la détente avec beaucoup de crises de nerfs et un peu de mauvaise foi. Alors installe-toi bien sur ton canapé ou sur ton fauteuil et c'est parti mon kiki. J'aime bien la présentation. Ah bah faudra que je parte à une découverte de Devil Alive. Bon bah je suis dans la confusion. Mais ça c'est la richesse de Twitch. Et je m'en tiens qu'à la communauté francophone. Je m'y perds déjà, vous voyez. Je crois que dans mon compteur de chaîne suivie, je dois être à 30-35, peut-être 40, si on prend la fourchette large. Et je suis déjà largué. Sans déconner, je suis largué, j'ai du mal à suivre tout le monde. Mais c'est très enrichissant, c'est passionnant. Alors, je me suis mangé des beaux gadins sur cette étape-là. D'où l'intérêt de remater le ralenti. Oui, j'étais en train de me poser la question si ma musique jouait toujours en arrière-plan. Oui, ça va. Je vois Widan qui tourne. Donc, j'ai pas encore tranché. Vous aurez la surprise demain matin. J'ai envie de refaire demain matin un FPS rétro. Ce sera soit Last Rites, donc les derniers rites,
soit l'énigmatique jeu égyptien qui est Killing Time. Voilà. Mais il faudra que je... J'ai pas lu le manuel de Killing Time. J'ai accès au manuel en PDF et j'ai à peine regardé très brièvement la biographie des personnages. Parce qu'il y a toute une famille là dans le grand manoir auquel je tournais autour, que j'essayais d'entrer, mais je me faisais snobber par le majordome qui me disait c'est une soirée sur invitation, vous n'en avez pas à en voir. Donc, à mon avis, le grand manoir c'est la phase finale dans le jeu. Je présume, hein, je le découvre. Mais il faudra que je lise le manuel avant, hors antenne. Que j'ai, comment dire, une enquête un peu plus, de manière un peu plus éclairée, quoi. J'arrête de tourner en rond. Parce que là, j'avoue, je suis coincé hein, dans Killing Time. Je fais face à une porte. Je vois bien sur la carte que je vais accéder à une autre zone de l'île mystérieuse. Mais j'ai une porte étrange quand j'interagis avec. J'ai un gros symbole lumineux qui apparaît sur la porte. Et je sais pas quoi faire en fait. Alors, est-ce que j'ai fait des découvertes intéressantes ces derniers jours avec Twitch ou autre chose? Dans le sens talent qui diffuse en direct ou assimilé? Je te répondrai non, je crois pas. Encore que je sais que j'ai fouiné il y a 15 jours, 3 semaines. Bah, je dirais dans le giron d'Aerostar, justement. Je sais plus les pseudos, je me souviens d'une brève description. Il y a une demoiselle qui se dit belge et qui mesure 1m80. Donc, excusez-moi du peu, c'est ce qu'on appelle une grande tige. Enfin, j'aime bien l'expression, mais gentillette encore. Mais je l'ai pas vu en direct. J'ai regardé brièvement une de ses rediffusions quelques minutes pour me faire une idée. Et je me demande si spontanément je l'ai pas suivi en me disant tiens pourquoi pas. La demoiselle m'a l'air intéressante. Un contenu vidéo ludique. Et peut-être une autre personne, mais je vous confesserai que j'ai déjà oublié. Mais petit à petit, voilà, je pense que je me laissais charmer, happer par les propositions. D'ailleurs, je crois même que ce matin, j'ai vu que j'avais reçu un abonnement cadeau sur une chaîne que je ne connais pas du tout. Donc c'est voilà l'occasion pour moi, je partirai à la découverte de la petite chaîne. En plus, il faudra que j'écrive un petit mot pour remercier la personne qui m'a offert l'abonnement. J'ai envie de te répondre Zex de Citron. J'ai pas fouillé mes découvertes récentes et je m'apprête à en faire d'autres. Voilà. Donc il est fort probable que spontanément je vous en fasse la pub à l'occasion sur ma chaîne. Hein, comme vous l'avez compris, j'ai fait la commande exprès pour mettre en lumière tout chacun. Ah ça y est, le ralenti est déjà fini. On va passer à la course suivante. Continuez. Alors attendez, je lis un peu l'interface. Ah, dernière course de la course elf. Ça va charger. Alors, pas spécifiquement des personnes, mais aussi des fonctions ou des idées que tu as envie de développer pour ton lancement. Ah! Oui, la question, fallait l'interpréter de manière beaucoup plus large. Bah là, tout à l'heure, avant que tu arrives, je parlais d'idée de changer mon répertoire musical. Je joue mes propres œuvres en musique électronique, je suis très techno. Mais je repensais à l'ami Chris Gogolt qui passe de temps à autre sur la chaîne et qui compose, lui, du rock. Mais je sais plus si son répertoire est libre de droit ou pas. Il faudra que je lui repose la question. Parce qu'il m'avait laissé le lien de son... Ah merci Felfan de m'héberger. Je viens de voir l'alerte. J'avais écouté certains de ses concours rock à Chris Golgoth, qui passe de temps à autre. Et j'avais bien aimé, alors que je suis pas spécialement rock. Et moi par exemple, je serais tenté de lui demander si je peux pas diffuser ses œuvres en direct sur ma chaîne, s'il est d'accord. Donc à l'occasion, je lui poserai la question et j'essaierai de farfouiller sur Internet les sites de musique dites libres de droit pour voir déjà s'il y a du contenu qui me plaît à l'écoute. Et si certaines œuvres me plaisent particulièrement, j'essaierai de rentrer en contact avec les créateurs, les compositeurs des œuvres en question pour leur parler de ma chaîne en disant est-ce que vous acceptez que je vous diffuse sans verser le moindre denier sur ma chaîne pour vous faire connaître. Ce serait sympa, mais en variant Et hors un techno. hébergement, ça fait plaisir. Merci l'ami. Merci Et l'ami. Merci l'ami. Merci l'ami. attention, faut choisir parce que mon alerte, comme je l'ai en brut avec la PS2, du coup, ça peut masquer ma course. Enfin, vous en faites pas, c'est. J'en prends le risque par rapport à l'habillage de ma chaîne.
Ce serait bien de varier en fait les goûts, les couleurs au niveau de la musique et pas mettre que de la techno. Wally Wally. Ah! Ça fait auto-tamponneuse, je suis en train d'harponner le concurrent en face de moi. C'est la guerre! dans les prochaines heures, bah, il faudra. Je complète ma réponse par rapport à ta question, Zé de Citron. Il faudra que je continue de programmer. J'ai pas fini de programmer le jeu du tableau mystère qui, je vous le rappelle, je vous en ferai la démonstration le 1er janvier dans l'après-midi. Il faudra deviner le. Bonjour Twitsen. Il faudra deviner en fait les jeux vidéo auxquels sont rattachés mon tableau mystère, c'est-à-dire que ça va être entre guillemets un photomontage basé sur des captures des jeux en question, des captures d'écran. Et ceux qui me donneront les bonnes réponses, alors je vous expliquerai les règles du jeu en soi, parce que j'ai préparé des commandes dans ce sens dans le chat qui pourra saisir. Vous serez crédité en monnaie de chaîne, en points fidélité, quoi. Que après vous pourrez dépenser dans la boutique, faire ce que vous voulez en gadget, histoire qu'on s'amuse bien, quoi. Wally Wallou. C'est sur quoi je bosse en fait depuis 6 mois, en fait, depuis que j'ai commencé à rédiger mon cahier des charges. Au niveau des vieux jeux rétro qui se lancent sur Dropbox, j'ai déjà 70 tableaux. Alors j'avais espéré avoir une centaine de tableaux dès le 1er janvier, mais c'est bête à dire, mais ça prend le temps quand même de composer du photomontage, de rechercher les images et d'inscrire dans le tableau les bonnes réponses, dans mon tableur. C'est con, mais ça prend du temps. Et du coup, j'en ai pas 100, j'en ai 70, mais tant pis. On commencera avec 70 et puis au fur et à mesure de mon temps libre, quand j'aurai l'occasion de faire de la composition graphique, je ferai ça. Et je crois que j'ai opté pour des jeux Mega Drive parce que c'était ma deuxième console quand j'étais gosse. Et j'ai pas mal de références en Mega Drive. Je crois que j'ai fait une trentaine de tableaux pour ce qui est de la Mega Drive. Tu m'avances peut-être un peu beaucoup en disant une trentaine. C'est peut-être juste une vingtaine. Parce que c'est ceux que j'ai commencé à faire fraîchement dernièrement. Enfin bref, je repointerai pour samedi et puis je vous dirai. Ce sera, on va dire qu'il y aura des jeux dans le jeu quoi, en direct. C'est rigolo. Oh, mais ce serait pas une voie ferrée sur la droite? Oh si, c'est une voie ferrée ça. Déjà que j'avais confondu palmier et voilier avec des éoliennes tout à l'heure. J'ai du caca dans les eaux pour ce qui est de décrypter ce qu'il y a dans le décor du jeu. On a bien rigolé avec le livre tout à l'heure. Oh, elle freine pas, elle tourne pas, cette voiture, elle est épouvantable. Je ne la reprendrai plus jamais. C'est un horrible modèle de tuture. Je ne fais rien avec ça, moi, Sniff. Je suis tristesse. Oh là là, c'est poussif, c'est poussif, c'est poussif. Ah, c'est une serre de petit, quoi. Bizarre, là, la grosse tempête. Là, c'est un bâtiment militaire. Comment tu m'es rentré dedans? Mais. Ah! Vilain, brigand, saligo. Je n'ai plus de mots pour qualifier le concurrent qui m'a envoyé pète. La 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 la. Allez hop, je coupe. Trichure, trichage, c'est-à-dire triche. J'ai dopé comme un gros vilain. Nah, ça c'était pour la poussette de tout à l'heure. C'est honteux, de toute façon ça m'arrangera en rien, je suis le bon dernier. Voilà, ça c'est fait. Allez hop. Oh, je vais finir dans le. Oups, dans le champ. Oula, 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 bonjour Nounours, apparemment Nounours qui a débarqué. Alors là, je vais lancer le ralenti parce que je vais devoir vous lire. C'est fait pour ça les ralentis, j'ai envie de répondre.
Attendez, regardez la vidéo et je vais prendre le temps de tous vous répondre. Ouh là là, vous avez beaucoup parlé en quelques minutes là. Alors, j'en étais arrêté à FunFan qui m'avait hébergé. Voilà, j'avais répondu à la question de Zex. Hey Roster, oui, tu valides la bonne idée pour Chris Golgoth. Et franchement, les compositions rock, pardon, que j'avais écouté de lui, c'était bien. Le sage est devenu SDF et je l'héberge. N'importe quoi, FunFan. T'es déchaîné aujourd'hui, c'est bien. On voit que c'est ta dernière semaine, là, tu balances tout et n'importe quoi. Oh là là. Bonjour, Nounours, j'espère que tu vas bien. Entre deux tâches ménagères. Oula, bon courage. Oui, moi aussi, d'ailleurs, tu me fais penser, c'est après que j'aurai quelques tâches ménagères à exécuter de mon côté. De la plonge, en particulier. J'ai les grands contenants en cuisine qu'il faut que je nettoie dans mon wok. Il faut que je le décrasse. Tac, 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 salutations d'usage entre vous. Alors, FunFan, SDR, ne parlons pas des conditions que je reste sympa. Oh, n'importe quoi. Voilà, tu une scène qui arrive. Ah, Zex de Citron, merci pour la référence. Le site Au bout du fil propose des musiques libres de droit, cataloguées par jar avec toutes les infos nécessaires pour les utiliser et les créditer. Alors, merci beaucoup, je vais me le noter, Zex de Citron. Je vais même le noter en copier-coller carrément. Pardon. Il est où mon fichier texte? Oula, attendez, 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 attendez. Ça m'intéresse par contre. Je vais mettre ça en mémo dans l'agenda. Parce que je parlais en début de direct du site qui a disparu, qui était exactement ça en fait. Un répertoire de musique libre qui s'appelait Dog Magzik. Et qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'avais passé tout un été à écumer le répertoire de musique électronique. Et à contacter les créateurs, les musiciens en leur disant, en écrivant un petit mot, disant ta musique est vachement bien, tu as pu faire ça, j'ai reconnu que c'était l'un de machin, etc. Par exemple, et j'ai eu des beaux échanges par courriel. Merci beaucoup aux Ex de Citron, je vais me précipiter là-dessus dans les heures à venir. Cool. Alors. SDR, vaut mieux pas en parler, FunFan, c'est un secret. Salutations d'usage, blablabla. Twin Sen, il faudra faire ton jeu tableau mystère le soir pour avoir plus de monde. Alors, c'est vrai que c'est ce qui me trotte dans la tête, c'est-à-dire pour que ça vaille le coup et entre guillemets rentabiliser mon boulot, parce que voilà, les horloges, enfin les horloges, les heures ont passé à la conception, je pensais pas mettre autant de temps en fait. J'ai presque envie de dire, j'exhiberai un tableau de mystère que si on vous êtes environ une dizaine sur la chaîne, parce que sinon ça vaut pas trop le coup, on verra. J'irai par tâtonnement timidement les premières semaines avec un ou deux tableaux et puis on verra au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que je vais pas activer tout de suite dans la boutique la possibilité d'acheter le roulement de tableaux. Si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses, qu'on puisse passer à un autre tableau, je vais peut-être pas déverrouiller cette option tout de suite, histoire de voir comment vous réagissez par rapport au jeu. Que je puisse trouver un bon équilibre. Alors, attendez, que je vous relise. Est-ce que c'est le genre de tableau qui passe sur TF1 entre midi et 13h? Je pense surtout à l'argent à gagner. L'histoire mystérieuse chez Reichmann, là. Non, pas vraiment, parce que l'étoile mystérieuse à la Reichmann, elle est dissimulée par des petits carrés. Moi, vous verrez l'image en clair. C'est juste que l'image en clair, vous devrez deviner. Parfois, ce sera un morceau d'interface du jeu. Il faudra que vous décliniez le titre complet du jeu, auquel ça correspond. Alors, quand je dis titre complet du jeu, par exemple, si c'est une saga célèbre comme Sonic, essayez de me dire en complet Sonic et Knuckle, pas la saga Sonic, c'est trop large. Parce qu'il y a beaucoup d'opus. Je serais plus tenté à donner les points à la personne qui donne le titre complet. Là-dessus, il y aura un caractère un peu litigieux. On verra le moment venu comment je vais vous départager.
Je pense qu'il y a moyen de se débrouiller sans Rashman. Après, je peux donner l'adresse du studio de jeu où Jean-Luc, pour que le sache, s'en inspire. Oui, tu es une scène, je sais que tu connais bien le PAF et que tu nous avais expliqué que tu avais participé à pas mal d'enregistrements d'émissions. Oh, Chabot du Laise. C'est ça le nom du poisson, ouais, Chabot du Laise. Bien joué, Zer. Alors, Nounours qui nous dit, ça me rappelle une chanson comme un wop. Elle me dit rien du tout, la chanson. Elle te dit quelque chose, Fun Fact, la chanson comme un wok, toi qui es très chanson française. Comme un wok. Je pense à. C'est la Watt qu'elle préfère. Mais comme un wok, ça ne dit rien du tout comme chanson. Il y a aussi. Ah, il est midi. Il est midi, bon appétit si vous passez à table. mince, j'en étais où dans la lecture du. Du chat, oula oula oula, vous êtes déchaîné, c'est un bonheur. Il y a aussi le répertoire intégral de Kevin MC Leo Loud Leod, j'ai du mal à voir mon écran, oui c'est Leod, qui est libre de droit mais qui n'est constitué principalement que de musique d'ambiance. Ah oh, bah je suis preneur, Zex de Citron. Mince, c'est déjà la fin du ralenti. Ah faut garder de bon rythme, va falloir que je fasse la course suivante. D'après mes sources, il triche au Monopoly. Oh, tu sors toujours la même réplique, Fun Fan. Faut que tu varies un peu. Tu dis tout à tout le monde qui triche au Monopoly. Fini, oui. La coupe bagou. J'ai un peu de bagou pour cette coupe. J'ai dit n'importe quoi. Je suis déçu du Nissan Terrano. J'ai envie de revenir sur un autre modèle. Tiens, je vais essayer la tuture jaune. Tant pis. Allez, hop. Ah ouais, je suis vraiment déçu de la... Une voiture que j'ai déverrouillée en plus. Ouais, rue de la paix, oui. J'aime bien l'échange comique entre SDR et Fun Fan. Alors, oh, mise à jour des niveaux de fidélité. Tac, 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 tac. Ah bah, vous voyez le gros pavé qui est tombé dans le chat, là, des annonces de mon Wisebot. Il explique justement ce qu'on appelle le cooldown en anglais. C'est-à-dire le délai sur certaines commandes pour éviter la saturation. Comme un rock. Okay. C'est dans le même hangar, n'oubliez pas que les paroles et les shopping, il y a une bassiste, une scène. Oui, ils sont à. C'est pas Cergy Pontoise, la ville parisienne à côté de la capitale où il y a tous les studios d'enregistrement TV. Je sais plus, je sais qu'il y a une route. Une ville qui est dans la grande couronne parisienne qui est. Contient la plupart des studios de télé. Oh! Oh mon dieu, cette collision monstrueuse! Ouh là là! Oui, d'ailleurs, il faut que je retienne que mon pavé Wisebot va me servir de marque-page dans le chat, que je sache où reprendre la lecture à la sortie de la course. Donc, je rappelle le programme de la journée. Dans une petite heure, je me ferai une joie de faire un relais de chaîne chez l'ami Fun Fan, qui vous fera également du vroom vroom, mais plus sur Alsmat. Ce sera du Need for Speed Payback. Ce sera. Sympa. Waouh. Waouh. Technique, ces passages-là, et je me vote au dernier point, la fin du parpaing, là, du. Oh là là, du muret. Fallait que je le dise pour que je me viande.
Mais du coup, je repense à tout à l'heure et ma confusion, je suis intrigué pour dévier le live. Ah, vraiment que je squatte, que j'aille voir sa chaîne. Ah si, il y a Récif que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis allé flâner sur la chaîne de Récif, ça y est. Et fort sympathique le garçon. J'aime bien ce qu'il fait sur sa chaîne en jeu vidéo là, le peu que j'ai vu. Et j'aime bien aussi son propos, c'est sympa. L'atmosphère m'y est agréable sur sa chaîne. Donc à mon avis aussi dans les prochains jours j'irai flâner un peu du côté de chez Récif. Oui, tu dis très child, une crème, un hamster, ouais. Oui, bah, merci à toi, parce que je crois que la découverte de Recife, je te la dois. Ça fait parmi ta légion de fidèles, si je puis dire. Pareil aussi, bonne découverte pour ceux qui aiment les jeux indépendants, cette fois-ci, les petites perles rares. Il faut aller voir l'excellente... Ah, c'est le moment où je vous la présentais que j'ai un trou de mémoire sous son pseudo. Elle a une présentation super pro. Et j'avais eu le plaisir de lui faire un relais de chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Colibria, voilà. La mémoire me revient. Oui, voilà, c'est ça, Aeroster, merci. Colibria. Extra. Elle diffuse surtout le dimanche, j'avais remarqué. Elle a une présentation super pro des jeux qu'elle fait en indépendant. Elle vous dégote, elle vous teste de ses perles rares. Ça, pour ceux qui aiment les jeux indépendants, elle est très forte. C'est un régal. Je pourrais pas dire. J'ai pas suffisamment regardé Colibria pour savoir si elle est québécoise. Je sais pas. Hop, 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 j'étais hors route, j'aurais pu payer cher. Oula, ça fait paysage, petite maison, la prairie, là. Tiens, en parlant de québécoise, j'aimerais bien... Ah oui, non, c'est vrai, j'avais des nouvelles, c'était Trissounet. Ça y est, ma mémoire va me jouer des tours, je vais parcourir le pseudo. Tant pis, j'ai l'air inigo, j'en peux plus le pseudo. Bref, une québécoise que j'espère qu'on aura plaisir de retrouver prochainement sur Twitch. Enfin, du moins comme intervenante dans le chat, parce que je crois pas qu'elle diffuse elle-même. Ça me reviendra, trou de mémoire, pardon. En même temps, je suis un peu concentré sur la course. Oh, j'ai fini pas trop mauvais. Certes, je suis dernier, mais si vous regardez les chronos juste à côté. Je suis sauvage, j'ai 15 secondes de retard sur le vainqueur. Merci pour les clips, FanFan. Tu sais que j'en raffole. J'en raffole. Tu mets le bruit de l'eau. Non, là, on va peut-être pas forcément mettre le ralenti. Je vais démarrer la course suivante, va. Alors, je vous lis, tac, clac, 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 c'est le même hangar que blablabla. Nanana, comme un wok, ça me dit rien, je connais comme un rock de Nadia, mais c'est tout. D'accord. Oui, à l'occasion, il faudra que je leur demande la référence à Nounours. On va pas le déranger, il est en pleine tâche ménagère. Mais le coup de comme un wok, je lui reposerai la question à l'occasion sur sa chaîne, qui me donne la référence complète, parce que. Ou alors, je vais peut-être trouver en tapant le mot-clé dans le moteur de recherche. On verra tout à l'heure, mais ça m'intrigue, son comme un wok. Je sais que tout le monde triche au Monopoly. C'est plus sorti cette année, l'année dernière, l'édition tricheur de Monopoly. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai qu'il y a une édition du jeu de plateau Monopoly en version spéciale tricheur. Mais oui, je l'ai vu, exact. C'est vrai. Oh là là, nope. Mais ils auront tout fait. Le truc qu'il faudrait pas qu'ils fassent dans les rachats de licences et les. J'ai envie de dire le mélange des jars. Il faudrait surtout pas qu'ils nous fassent un Monopoly Minecraft.
parce que je serai suffisamment gaga et fan de Minecraft pour acheter comme un ego. Autant je joue quasiment jamais au Monopoly, la dernière partie que j'ai faite, c'était il y a quelques jours sur la Switch de mon neveu, parce qu'il voulait me présenter la Switch qui s'était achetée de cases. Et c'était sympa, honnêtement. C'était rigolo. Mais le Monopoly en plateau papier, je ne l'ai pas fait depuis des années. Pourtant, j'ai rien contre les jeux de plateau, les jeux de société, j'aime bien. Waouh! C'est quoi cette configuration de fou? Hop 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 hop. Le village bien balèze. Putain, je vois rien, mais non, mais je me fais déboîter, la caméra elle est pas bonne. Mais arrêtez! Et ben voilà, sorti du village, je suis dernier. Je suis rentré premier, je vais sortir dernier. C'est un scandale, messieurs dames. Oh mince! Poussez-vous, j'étais premier, rendez-vous à ma place! Non, non! Non, ça va pas tâter à coup de portière. Ah là 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 là. Oups. Alors attendez. Oula, eh oh, il est technique ce tracé. Waouh, il est vachement serpentin là. Je suis habitué à des plus longues lignes droites et à des prises de vitesse plus conséquentes. Oh! Vilain pousseur. Oh. Remarquez, j'ai réussi à revendiquer ma première place à nouveau. Au moins, je me serais défendu avec honneur. Mais comme quoi, je suis plus à l'aise avec cette voiture-là. Hein. Franchement, la précédente, elle était pas top. Hein. Elle freinait mal, elle tournait mal. Et là, je suis plus à mon aise. Alors, je vois du coin de l'œil que ça s'agite avec grande joie dans le chat. Donc, soyez certains que je vais lancer le ralenti à la fin de la course. Que je puisse prendre le temps quand même poliment de vous lire. Parce que je suis en train de décrocher le rythme de vos répliques. Ah, puis, allez, je vais dire, je suis en joie. Je vais vous dévoiler une surprise que je vous réserve pour samedi 1er janvier, jour symbolique d'inauguration de ma chaîne. En fait, comme je répondais à FunFan que je suis friand de clips, vous saurez que dans la coulisse, j'ai pris le temps de les compiler les uns derrière les autres. Et en fait, j'ai ce qu'on appelle en anglais « best of ». J'ai une compilation du meilleur de ma phase bêta. Ça fait depuis 4 mois, je crois que j'ai commencé mi-août à émettre pour la première fois sur Twitch, le temps de construire ma chaîne. Et merci à vous tous d'avoir participé et de m'avoir aidé, de quelque manière que ce soit. Et bah, ma petite compilation de meilleurs moments, je me suis laissé surprendre, mais je suis déjà à 3 quarts d'heure. Donc, ça m'arrange bien, parce que si je fais une grosse journée samedi 1er janvier pour l'inauguration, que je démarre le matin et que je termine le soir, je vous balancerai la vidéo de la compilation à midi à l'heure de mon déjeuner. Comme ça, pudiquement, je pourrai déjeuner hors caméra pendant 3 quarts d'heure. Et vous allez pouvoir rigoler en trouvant la compilation du meilleur de ce qui s'est passé ces 4 mois sur ma chaîne naissante, on peut le dire. C'est une des surprises que je vous réserve donc pour samedi. Ah, j'ai loupé mon freinage et j'ai fait un mauvais dérapage. Alors là, j'ai eu du bol que le concurrent me tape et me remette dans la bonne direction. Oui, il y a du vent. Alors, moi j'ai été surpris, je ne vous cacherai pas que lorsque j'ai fait le jeu d'horreur pour vous remercier dernièrement, là, le Slender, j'ai été agréablement surpris que vous ne soyez pas amusé à balancer des sons. Vous auriez pu balancer des sons pour rajouter de la frousse par-dessus la frousse et me rendre fou. Vous avez été très correct, vous n'avez pas joué des sons en fait. Et j'ai été surpris après quand j'ai regardé ma rediffusion. Je pense que le contenu vous a tellement captivé, vous avez dû tellement vous gosser de rire en me voyant me faire dessus en direct, que vous n'y avez pas pensé. Je pense que c'est ça ce qui s'est passé. Oui Jacques, on arrive. Oui, tu fais bien de préciser SDR alors que je me loupe complètement à la sortie de virage. Le 1er janvier, ça c'était une promesse du début, je vais faire sur la PS2
donc non émulé. Hein. Je rappelle que je joue à la vraie PS2, vous pouvez voir la manette. Je suis en train de manipuler. Je vais faire le entre guillemets célèbre GIGN Task Force que je me suis acheté de case. C'est le seul jeu vidéo au monde que je sache dans lequel est modélisé notre ancien et regretté président de la République, Jacques Chirac. Donc oui, au 1er janvier, je sauverai Jacques Chirac des mains des terroristes. Ça fait bizarre à le dire, mais ça va être le cas. C'est un jeu qui avait fait beaucoup rire les joueurs du grenier et Fred et Seb. Ils ont fait plusieurs sessions dessus. Le jeu est buggé, mais il est buggé... Alors, certes, il y a des frustrations quand il joue. On le voit au niveau de Fred qui s'énerve, qui s'agace assez facilement. Mais il reste jouable, parce qu'il y a un effet comique dans les bugs, en fait. Et je pense qu'on va se fendre la poire. Ouais. Voilà, on va mettre le ralenti. Alors, pour toujours le 1er janvier, en fait. Si le 1er janvier, en gros, je prends l'antenne entre 9h et 10h, parce que moi, je vais faire mon 31 au soir, tranquille, peinard chez moi. C'est juste mon gros plaisir va être dans l'assiette. Je vais me faire un bon canard au flageolet. Je vais m'éclater la panse. Ça va être mon plaisir du 31. Bref, je suis peinard pépouche chez moi. C'était mon souhait. Ce qui fait que je ne vais pas me coucher trop tard. Et contrairement à d'autres qui vont faire le décompte à minuit pour passer d'une année à l'autre, je pense qu'il y aura peut-être personne quand je vais démarrer le matin à 9-10h du mat. Ça n'a aucune importance. Je démarrerai sur un jeu peinard de mon choix le matin du 1er janvier. Je déjeunerai, je pense, vers 13h-14h où je balancerai ma fameuse compilation comme je viens de vous le dévoiler. Et c'est seulement quand commencera à y avoir du monde vers 14h-15h que je vais me lancer dans le GIGN Task Force jusqu'à 20h-21h, voire au-delà. On verra jusqu'à quand je tiendrai. Histoire qu'on se tape un bon gros délire et qu'on marque le coup de la nouvelle année, de l'inauguration cette fois-ci officielle de ma chaîne, voilà, qu'on partage un bon moment. Alors, je profite du ralenti pour vous relire, je sais plus où j'en étais. Oh, vous m'avez écrit, c'est merveilleux, plein de trucs, j'en étais où moi? Merde, je suis perdu. Le bruit de la pause pipi, la commande à saisir. Oh oui, d'accord. La seule personne qui ne triche jamais, tac, c'est Chuck Norris. Ah, tu recommences avec tes vannes de Chuck Norris. Zach des Citrons. Aujourd'hui, il existe une multitude de jeux de société très divers et variés qui proposent des expériences radicalement différentes du Monopoly. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. D'ailleurs, c'est un regret par rapport à la pandémie et crise économique d'une manière générale. Dans ma ville, Nancy, qui, pardon, je fais mon chauvin, mais qui est vraiment une ville de culture, j'avais un magasin qui avait sa notoriété en jeux de société rares et divers, qui a fermé. Alors, j'ai envie de dire heureusement, il y en a d'autres encore qui subsistent. J'en connais un en centre-ville qui est pas mal. Je crois même qu'il y en a un deuxième, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est assez varié en médiéval magique, la boutique là. Et c'est dommage que ce genre de magasin ferme, quoi, parce qu'il y a toujours des perles rares et ça permet la découverte de jeux de société. Je ne sais pas s'ils participaient d'ailleurs à des développements de jeux de plateau, mais c'est génial. Quoi. C'est dommage que Ah, Zex de Citron, tu me mets en garde, tu me dis que un plan de secours, le jeu risque de lâcher avant que tu t'agaces. Alors. C'est à craindre, ouais, peut-être. Oh, pourquoi c'est tronqué la liste des commandes Minecraft et ils sont. C'est avec un T. Putain, c'est mal écrit, il faudra que je corrige. Oui, tu me mets en garde par rapport peut-être à un énorme bug qui me ferait planter et empêcherait ma progression, peut-être. Mais il faut savoir aussi que j'ai acheté le jeu de case. Et au début, quand j'ai mis la galette dans le lecteur de la PS2, le jeu plantait dès le début, en fait, il était tellement crasseux, donc je l'ai restauré, c'est-à-dire que je l'ai nettoyé et j'ai eu la chance de pouvoir investir dans un système de polissage de CD, DVD défectueux, ce qui fait qu'au bout de 7-8 polissages, chose rare d'en faire autant, je suis parvenu à le récupérer et à le lancer sur la console. Donc j'espère que j'aurai pas ce double risque de plantage, déjà les bugs dans le jeu, et avoir une progression impossible, on verra le cas échéant.
Et de ne pas avoir de plantage dû au mauvais état du DVD que j'ai acheté d'occasion en fait, qui a été mal entretenu par son prédécesseur, par son précédent propriétaire. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Alors je vous lis le temps que des fils ralentis. Je suis pour propre source, c'est pas fiable. Blablabla. L'agenda. Jacques, on arrive. Ouais. Oui, tu as bien fait, merci de déclencher la commande agenda SDR. C'était le moment opportun. Tac, tac, tac. Le coup des sons. Oui, tu l'as vu la vidéo Airster du JDG. Bah, je vais m'y frotter. Je vais m'y tenter le 1er janvier. Voilà, voilà. Je pourrais presque vous exhiber fièrement le boîtier parce que je l'ai à vue. Enfin, je m'amuserai à le faire le 1er janvier. Oui, au pire, Zex de Citron. Donc, hein, s'il y a plantage du jeu, pour quelque raison que ce soit, oui, j'aurai d'autres jeux à faire. On verra. En fonction du public qui sera présent, je vous dirai mince, c'est planté. Il faudra que j'essaie de le restaurer. On continuera plus tard le jeu. Et puis, je vous ferai des propositions. Vous tapez point d'exclamation PS2. Déjà, vous pouvez voir ce que je peux vous faire en ce moment. Il faut prendre les jeux, alors je précise, il faut choisir les jeux où il y a un astérix devant. Parce que j'ai pas fini de lister tous mes jeux PS2 d'occasion. Et comme je suis en train de faire mes cartons par rapport à mon perpétuel déménagement, là que je suis en train de dire, qui a été retardé à cause de la crise sanitaire, j'ai sous la main que les jeux qui sont précédés d'un astérix. Voilà, par exemple, là on voit Bust a Block, je peux vous faire, qui est un casse-brique, je vous le fais de temps en temps, j'aime bien, moi ça me détend. Alors, je continue de vous lire, genre, donc le chat. Je fais le décompte jusqu'à minuit, mais je termine à 3 ou 4 heures du matin. Ouais, vous avez raison, ça fait plaisir. T'as bien raison, FunFan, et tu fais un direct jusqu'à 5 heures du mat. Non, non, il sera en congé, FunFan, ouais. Tac, 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 tac. Alors, Zex de Citron, d'ailleurs, c'est assez impressionnant que tu aies trouvé ce jeu en occasion. Alors, je vais encore faire mon chauvin. Nancy, on a beaucoup de chance. Nancy, au niveau des jeux d'occasion, il y en a énormément. En fait, on a trois, dans le Grand Nancy, on a trois Micromania encore qui arrivent à subsister. Et encore, j'ai pas regardé ces derniers mois, j'ai pas fait le tour des trois Micromania pour voir s'ils sont toujours d'actualité, je l'espère, pour trouver des perles rares. Plus un excellent magasin au centre-ville de Nancy qui est un... comment ça s'appelle, je vais avoir l'étiquette quelque part, Gaming Shop, je sais plus comment il s'appelle le magasin. Et des perles rares, mais quand je dis rares, il y a des jeux importés directement du Japon sur la PS1 par exemple qui valent 100 € pièce le jeu. C'est un musée dans lequel tu peux acheter les, sans déconner. En plus, il fait des posters sur des jeux vidéo magnifiques. J'essaye d'éviter d'aller dans ce magasin parce qu'en général, quand je ressors, je me ruine. je suis pris dans l'impulsion de la fièvre acheteuse, j'ai envie de dire. Oh là là, il y a des trésors. D'ailleurs, si vous... j'ai un vieux PC, mais pour console, je diffuse la PS2 et la PS3. Hein, je suis dans du rétro, moi. Si vous avez envie de me suggérer un jeu que vous souhaiteriez me faire faire, vous tapez la commande point d'exclamation J-A-F suivi du titre de l'œuvre J-A-F pour jeu à faire. Et ça va s'inscrire dans une liste que je consulterai moi, peinard hors antenne. Il y a déjà Twinsen qui m'a donné énormément de références. Par exemple, je crois qu'il veut que je me frotte à Fear, que je connais pas du tout. Je pourrais peut-être acheter sur PS3. Et peut-être qu'à l'occasion, si je le trouve pas cher, quand je vais flâner dans les magasins de jeux d'occasion à Nancy, je le décoterai, je l'achèterai, puis je vous le ferai. Donc s'il y a, des choses que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas à me déposer vos suggestions. Donc, point d'exclamation J-A-F. Oui, je vois ton message du coin de l'œil. Merci d'être passé, Zex de Citron.
Bonne continuation à toi. Bon 31 si je te vois pas d'ici le réveillon. Et à très vite, mon cher Zex de Citron. Merci. Ah bah l'après-midi, ce sera chez FunFan. Mais évidemment, tu es toujours le bienvenu. Et bonjour à madame, je me permets. Voilà, cool possible. Bonne fête de fin d'année. Ouah, comment j'ai dérapé de la colline sortie du virage, moi. Oh! Mais arrête les ententes aux pneuses, vilain brigand. Sagouin, va. Oh, mais c'est rageant et c'est frustrant. Tiens, je sors du virage en... Oh oui, oh mince. Oh non, j'ai percuté la balise. Non. J'ai un malus de... Oh, j'ai explosé le moteur, je crois. Non, c'est autre chose. Non, c'est pas la boîte de vitesse. Oh. J'ai été puni par le jeu. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, le panda en Pikachu. Alors ça, laisse-moi deviner, c'est du nounours tout craché. C'est du nounours 60 tout craché, Nicolas. Elle est magnifique. Bon, moi, il faut que je me remette sur les... Merci, c'est très gentil. On ne piétine pas ses victimes, c'est dégoûtant. Vous êtes témoin. L'autre, il m'a percuté alors que j'avais les quatre fers en l'air. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi. Pardon, j'ai une démangeaison au niveau de la moustache. De la moustache. Ah, beau clocher. Fun fan. Oh là 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 là. Tu es terrible dans la redondance de tes vannes. Et avant le réveillon, pour ceux qui sont intéressés, ce vendredi après-midi, alors sachant que moi aussi je diffuserai le matin le vendredi, mais le vendredi après-midi, on va se retrouver chez FunFan où on fera le bilan des samedis commentés, etc. Mais on va, vous êtes tous invités à ce qu'on se retrouve sous un jeu gratis et libre. Qui est un FPS assez nerveux, apparemment, de ce que j'ai vu, qui est basé sur. Je crois que tu avais dit que c'était Quake 2 ou 3, je sais plus. N'hésitez pas à télécharger le jeu et le. Comme il est gratos, à l'installer. Et puis, si vous suivez FunFan dans le lit après-midi, on vous balancera dans son chat l'adresse de serveur. Qu'on puisse tous se défourailler en ligne et qu'on rigole à mon cul. Ça permettra de s'amuser juste avant d'aller en soirée du 31. Je vous donnerai le lien après ma course, à moins que quelqu'un retrouve le lien de téléchargement de saisie. Merci pour les clips, mon cher FunFan. Avec un peu de chance, j'aurai suffisamment de temps pour le glisser dans la compile du samedi. Le clip que tu as fait. Oui, d'ailleurs, dans les clips que j'ai revisionné en faisant mon montage, c'est marrant. À quel point vous avez... Mince! Oh là là, le crash. Décidément, c'est pas mon étape. C'est marrant quand vous faites des clips pour des choses qui, moi, en tant que diffuseur, me semblent insignifiantes. Et que vous, ça vous fait marrer ou ça vous a marqué. J'ai été surpris de certains de vos clips, en fait. Soit Bombastos, donc toi aussi, FunFan. Il y a je sais plus qui m'a pas mal clippé aussi... Je sais plus entre Zex de Citron ou SDR, je sais plus. Bref, merci à vous. J'ai eu des surprises au montage, au revisionnage d'équipe. Mais c'est bien, il en faut pour tout le monde, des goûts et des couleurs. Aou! Oula! Ah, c'est des vignes! Waouh, c'est stylé! Que ce soit en demi-cercle, on se croirait presque dans une arène. Elle est technique, l'étape. Elle est technique.
Ah, si je me mine les fesses, je pourrais ne pas finir dernier. Si je trace bien comme il faut, allez, je tente le tout pour le tout. Ah, je suis un gros vilain, je le percute et ça paye. Ça paye et c'est moche. Sauf que mon dérapage n'est pas contrôlé. Oh là là. Ouais, du coup, je vais être perdant sorti de la rivière. Non. Non, non. Finalement. Oh la vache, l'arrivée violente. Comment j'ai percuté l'autre concurrent. Là, je vais mettre le ralenti et je vais continuer à vous lire dans le chat. Parce que j'ai le plaisir de constater que vous êtes bien actifs aujourd'hui. Et puis, je vais pouvoir souffler un peu et boire un coup. Une nouvelle fois. Alors, j'en étais où dans la lecture? Donc, Zex de Citron qui disait au revoir. Ah, il y a une citation célèbre qui est tombée entre temps. Pla 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 pla. La 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 la. La la la. Tac tac tac. Oui, donc j'en étais finalement aux Zex de Citron qui nous disait bye bye. Ouais, merci pour le clip. Ah, plus Aerostore, bonne journée à toi, pardon, je viens seulement de dire que tu partais. Merci d'avoir été là, Aerostore, merci pour ton hébergement, voilà, chercher le terme. Et à très vite, Aerostore, hein, j'aurai plaisir à venir te revoir sur ta chaîne à l'occasion. Il va falloir pas attendre 15 jours pour que je me remanifeste à tes côtés avec grand plaisir. Tac, tac, tac. Oui, alors je vous avais dit que je partagerai le lien de téléchargement du jeu. Ah, j'avais fermé mon Discord, merde. J'avais fermé mon Discord. Mais je crois que j'avais fait une commande. Attendez, mais je suis un idiot, moi. J'avais fait une... Oh, une tête de boule. Ouais, le nom est trop bizarre. Le poisson dit tête de boule. J'avais pas fait une commande de jeu gratos, c'est comme ça. Oui, c'est ça, voilà. C'est le premier que j'ai enregistré, à mon avis, espérons que ce soit le début d'une longue liste. Voilà, le v'là le jeu. Xenotic. C'est celui-là qu'on va faire vendredi chez FunFan. Si vous l'avez installé chez vous, gratos, c'est le... Il joue avec nous. Ce sera extra. On va rigoler comme des petits fous. Honnêtement, dans le chat. Qui c'est qui avait connaissance de ce poisson d'eau douce de France? Le poisson dit tête de boule. Je n'invente rien. C'est dans la liste des poissons d'eau douce de France que je suis allé shipper sur le sacro-saint Wikipédia. Oh le gadin avec. Oh là là! Ça aurait été. Oh là là! C'est bien, ça fait des belles images. Ça ira peut-être dans mon best-of, tiens. Ah, c'est n'importe quoi. Non, oui, ouais, voilà, tu connaissais pas SDR. Pardon. Ouh là là, du mal à faire les rototos aujourd'hui, là, c'est... Enfin, les maîtriser, on a dit. Je salive d'avance à l'idée d'aller au fourneau d'ici une demi-heure après le relais de chaîne auprès de FunFan. Mais comme j'ai fait fraîchement mes courses ce matin, je vais me faire des brocolis avec des rostis. Vous savez, des petites galettes de pommes de terre au lardon. Ça, avec des brocolis, je vais me régaler. Ça va être trop bon. À mon avis, je mange pas avant une heure et demie, parce que le temps de préparer ça... Faut que je cuise à part les brocolis, faut que je fasse rôtir mes rostis dans la poêle. Enfin, ça, c'est le plus facile. Assure-toi, hein, FunFan, j'aurai une aisance particulière à faire ta modération au même moment. Hop là.
Ah là 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 là. Oh, tu manges dans ta voiture, tu une scène? T'es en déplacement parce que t'es au taf, c'est pour ça? Bah, j'ai envie de te dire, j'espère que t'as choisi un bon modèle de voiture confortable. Ah là là, dur. Voilà, j'ai la chance de pouvoir rester au chaud, au peinard chez moi. Jusqu'à dimanche inclus. Donc, c'est le bonheur. Ça est le bonheur que je partage avec vous. Très content. Ah, d'accord. Oui, tu fais partie des réfractaires. Ah, du coup, t'es. Ah merde. D'accord. Ouais, effectivement, situation particulière. Bah, avec ça, j'espère quand même que tu auras bon appétit, mon cher Twinson. Ouais. Pas évident ça, mais bon. Ah là là. Tiens, je suis en train de voir que dans le simulateur, ils ont pas fait l'animation de rotation des roues, j'ai l'impression. Je suis reparti, j'ai redémarré et les roues semblaient pas tourner. C'est bizarre ça, c'est un bug à mon avis. Là, ah là, ça, là, elle tourne là. Mais au début, c'était bizarre, ça faisait pas réaliste. Même des enjoliveurs, voilà, chercher le terme. Allez. Fan. Oh, tu me fais penser à une vieille, une des premières commandes que j'avais programmée sur ma chaîne et que j'étais en train d'oublier. Tu fais bien de parler de miam miam. Quand vous lancez point d'exclamation cuisine, vous avez des suggestions de recettes de ma part ou des petits conseils culinaires. J'en ai fait 3-4 déjà. Et c'est bien d'avoir parlé de ça, du coup. Ouais, le croque-poisson. Voilà, je vous laisse lire. D'ailleurs, il faudra que je m'en refasse prochainement. Ça me manque. J'en ai pas mangé depuis des mois. Des croque-monsieur ou assimilés. Oh, je t'en prie, Zéa. Un plaisir partagé. Ouais, bon app, hein, tous ceux qui passent à table. Ouais, c'est vrai que c'est l'heure, midi et demi, là. Et voilà, c'est l'arrivée avec violence. Oh, on voit comment j'ai cabossé ma bagnole. Oh la vache. Excellent. Bon, bah, à mon avis, on se fait encore 2-3 courses et puis on va chez l'ami FunFan. Ah, j'ai déjà. Ah, bah attends, je vais refaire celle, la Goodrich, où je galère, où je gagne rien. Je vais la refaire, mais avec l'autre bagnole, du coup. La Goodrich. Je vais essayer de débloquer la. Ne serait-ce qu'une nouvelle coupe. Ce serait une bonne chose pour finir là-dessus. Bah tiens, finalement, on aura fait le tour des coupes ce matin. J'avais un peu peur de manquer de temps, mais non. C'est cool. La 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 la. Ça y est, je pense à mes brocolis, ça me donne, sans déconner, ça me donne faim. Surtout qu'en petit déj, j'ai quasiment rien pris à part mon café au lait ce matin. Donc autant avouer que j'ai le lit vide. Ce qui est pas très malin d'ailleurs de ma part. J'ai du mal à croquer un truc le matin. C'est une mauvaise habitude, c'est pas bien pour l'organisme. Alors, voilà, des parcours très techniques. Oh, faut pas s'offenser de si peu, FunFan, quand quelqu'un loupe de te dire bonjour. Mais encore là, on est vraiment en comité très restreint. Pour peu que sur nos chaînes respectives, on finisse dans les mois à venir à se retrouver plusieurs dizaines. On a vite fait de se louper dans les salutations, faut pas s'en faire pour si peu.
Même moi, j'avoue, déjà moi en tant que diffuseur, c'est limite si je loupe pas déjà certains d'entre vous. Mais quand je suis sur la chaîne des autres, alors par exemple, Aerostar, lui, il a beaucoup de public. Habituellement, il a au moins une cinquantaine de spectateurs en moyenne. J'arrive pas à suivre. J'ai bug, mauvais freinage. Mais la voiture réagit bien mieux que la précédente. Donc, je me sens plus à mon aise pour réaliser de belles performances. Voilà, c'est que le premier quart de la course, là, du coup. Ah, la musique est bien choisie par rapport à la course. Je me tais parce que j'arrive à faire une belle performance sur la coupe que je ne maîtrise pas habituellement. Donc du coup, je reste vraiment concentré histoire de me dire, tiens, je vais scorer un peu pour la fin de ce direct et que je vais décrocher enfin une coupe que je n'ai pas. Ça ferait plaisir. Oh la vache, il y a encore un dernier tiers d'étape à faire. Non, non, c'est vrai que c'est relevé hein, le défi de cette coupe-là. Là avec le canyon, c'est dur, c'est dur. Ah, la partie avec les bâtiments modernes, j'adore. Ce stylet. Exactement. C'est exactement ça. Oh oui! Ça fait plaisir! Ah, c'est cool! Et l'autre, il va m'entrer dedans, non? Ça va, il est correct. Oh là 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 là. Donc, on laisse les autres arriver. Plaisir du vainqueur. Ah oui, elle est bizarre ton impression, FunFan. Oui, merci SDR. Là, je suis ravi. Comme quoi, il faut que je mémorise que dans ce jeu, il faut que je roule beaucoup avec la voiture jaune. La voiture jaune va me permettre d'être performant. Allez, Zou, j'enchaîne tout de suite avec la deuxième. SDR, n'importe quoi. Oh Dieu, mon Dieu. Mmh.
Hein, c'est un futur streamer qui va exploser en 2022. Alors, je sais pas de qui vous parlez, parce que, pardon, je survole le chat. Attention. Oui, il faut que je retienne... oui. Où j'en étais dans la lecture du chat tout à l'heure. Comment ça, c'est nul? N'importe quoi. Oh mon dieu. Eh ouais, je me débrouille pas trop mal. Le nul, en fait, t'aurais dû le sortir quasiment à ton réveil tout à l'heure à 10h30. Où là, effectivement, à ce moment-là, j'étais encore méchamment contre-performant. Mais là, je me sens pas trop mal. Oh là 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 là, c'est viril. On se claque la bise, on se claque la papier. Oh. Mais il va se pousser. Oh, c'est pas possible. Je me décale en plus pour essayer de dépasser et puis il me plaque davantage vers la gauche. T'es vraiment obligé de... avoir des dépassements virils, voilà, il n'y a pas d'autre terme. Merde, ouais, je me suis encastré bêtement. J'arrivais pas à me dépêtrer de ma situation. Vache. Ça c'est du virage en épingle. C'est pas étroit du tout. Alors. Je tombe pire, je suis dans le ravin. Je tomberai pas plus bas. Ah, la terre de feu. J'ai du mal à lire la route. J'ai du mal à lire la route. Là, ça devient poussif là. Le son le plus étrange jusqu'à aujourd'hui que j'ai pu enregistrer et générer pour ma chaîne. Ne me demandez plus comment j'ai fait sous Audacity. Je me dis, c'est tellement flippant qu'il faut que je garde. Non, pas avec des chats. On pourrait croire, ouais, mais non, 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 même pas. Je sais même plus c'est quoi mon son de base. Je me demande si c'est pas, un sifflement d'ailleurs. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Ouais, ouais, ouais. Ça fait extraterrestre qu'il y a de ça. Je te l'accorde. Ouais, bah autant le garder, tellement qu'il est étrange ce son. Ah, attention, ah, j'ai du mal à lire la piste, heureusement qu'il y a la carte en bas à gauche. Hop, 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 je pars en dérapage incontrôlé. Oh la vache, l'autre, il a 15 secondes d'avance. Comment qu'il s'est barré au loin? Ah, ce paysage, je pense au jeu que j'ai pas fini d'ailleurs, qui est ouais génial, j'ai encore un peu de mémoire.
Et merde, j'ai un peu noir. Bref, c'est typique d'un jeu qui se passe sur une autre planète, un monde parallèle. C'est. Je ne sais plus, tant pis. C'est le Rage. Oh, belle brochette de voiture. Ah, deuxième. Eh ben, c'est cool. C'est cool, je me défends bien. C'est génial. Oui, on va enchaîner sur la troisième course. Ah, bah c'est bien là, je fais des bonnes performances avec la tuture jaune. Elle me réussit la tuture jaune. Oui, tu sais pas faire des tests son là. Ouais, deuxième, ouais, merci, ouais, j'ai bien joué le coup là. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Ouais, je pense que j'ai pas loupé de message important de votre part. Je pense que je suis parvenu à survoler l'ensemble du chat. Faut pas que je prenne un peu trop de largesse. Sinon, j'ai le peu de cash. Contre-braquage beaucoup trop prononcé. Voilà le résultat désastreux. J'ai fait un 360 quasiment là, de force. Ah merde, oh! Ah, je pensais donner un coup de pitchinette gentillet avec maîtrise du symbolique du volant, mais pas du tout. Ça a été une violente collision, je me suis fait happer par la descente. Oui, vu l'heure, n'hésite pas à commencer à préparer ton direct comme fan, il est moins 10. Si tu veux être à l'heure pour Need for Speed Payback. Alors. Ah non! Oh, je déteste quand ils font ça! Bien fait! Alors, je suis content d'avoir réussi ma prise de virage un peu musclée. J'ai récupéré ma seconde place. Préparation pour le raid. Le relais de chaîne, la pure tradition de Twitch. Yeah. Faut aller où après? Ah, faut aller là. Ouais, je dérape un peu trop et du coup mes pneus ne me disent pas merci. Donc je vais pas arranger les futurs dérapages. Oh, on est à la vie, pour c'est vache. Voilà, c'est là où je m'étais fait avoir tout à l'heure. Je m'étais pris de face le rocher en butée et ça fait très mal. Autant dire que c'est un mur et non pas un tremplin. Message de FunFan 1992, je lance le live bonne journée à ceux que je verrai pas. Et à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. J'adore l'accent Québec. L'accent frais de Québec. Yeah, avec plaisir, ami FunFan.
Wow, j'ai les pneus en rouge. Je vais finir sur les jantes d'ici la fin de l'étape. Merde. Saclan, Boudin, Jvat, je vais défoncer ma gomme, comme on pourrait presque dire, la Québécois. Je dis n'importe quoi. J'ai beaucoup de sympathie hein, pour les Québécois. D'ailleurs, ça, c'est un rêve sur ma chaîne. C'est que je puisse avoir une communauté francophile et francophone assez large. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir des spectateurs plus ou moins fidèles, réguliers. Voilà. Là, je vais perdre la course parce que ma bagnole est devenue incontrôlable à cause de l'état des pneus. Je suis d'ailleurs dans le champ en train de labourer, comme vous pouvez le voir. Ça y est, c'est terminé. Ma bagnole est incontrôlable. C'est du patinage artistique. C'est con, je menais toute la course et là, terminé. Je ne peux plus rien faire. Là, j'ai l'impression de faire de la course sur glace. C'est dommage, hein. J'étais parti pour remporter la course. Eh ben non. Oh là là, c'est très poussif. C'est pas grave, ce sera... Ouais, Farming Simulator, ouais, c'était ça. Mais c'est bien, ça me donne espoir que, à force de la refaire, celle-là, avec la voiture jaune, je vous décocherai prochainement toutes les coupes en or. Faut que je retienne voiture jaune pour le jeu là. C'était la dernière course, donc on va mettre la vidéo en fait. Pénard Pépouze, et puis on va se laisser glisser vers le relais de chaîne. Alors, vas-y voir que je programme déjà le raid. Voilà, j'ai plus qu'à valider sur entrée, puis j'aurai une bascule entre 60 et 90 secondes. On l'avait observé précédemment. Tap 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 tap. La tablette est toujours là, ouais. La verrouille de la louée. Voilà, on compte sur la tablette qui va m'aider à faire la modération chez mon fan. Le temps que j'aille au fourneau et que je me cuise mes brocolis, j'en ai très envie. Je vais m'éclater la panse ce midi, je le sais. Je vais me goinfrer. Oh mais je t'en prie SDR, surtout merci à toi pour ta présence et ton excellente animation dans le chat. Voilà, toi tout seul c'est merveilleux, t'en vaut 50. On est en petit comité qui se compte sur les doigts de la main, comme vous pouvez le voir dans les compteurs. Et à toi tout seul SDR, faire une animation comme si on était des dizaines, c'est super agréable. Ah là là, tu vaux ton poids en or massif, mon cher FunFan. En valeur tweet, j'ai envie de dire. Tu animes vachement bien. C'est un régal. Tac, 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 tac. Ouais, il y a des passages pas évidents à négocier. Ouais, puis le final en Farming Simulator en mode labourage de champ. Voilà. Alors, le ralenti va se faire. Je vais sauvegarder ma progression après. J'en basculerai très rapidement en tronche, en gros plan. Mais j'aurai déjà lancé la raid d'ici là, je pense. Histoire que la transition soit pas trop longue. Non, mais je t'en prie, SDR. Non, si ça sert. Non, t'es vraiment bon. D'ailleurs, je le vois au nombre d'enregistrements de manifestations d'entrée que tu fais dans mon chat. C'est-à-dire que tu serais pas là, mon chat serait beaucoup moins animé. Ce serait beaucoup plus terne et triste. Mais... Donc je te cache pas que je suis vraiment bien content de t'avoir. Toujours un plaisir de vous lire. Et de vous relire aussi. Parfois, je me griffonne mes propres notes quand j'ai remarqué que j'ai zappé une remarque de votre part en direct. Quand j'en regarde mes rediffusions, ou juste le rapport, le log en fichier texte de mon logiciel par rapport à ce qu'il y a eu dans le chat. Et ça me permet de vous répondre la fois suivante quand je vous retrouve sur ma chaîne. Ça va m'aider à accrocher les wagons. Ouais, c'est cool que le plaisir soit partagé. C'est cool. Hein. J'aurais pas tardé à avoir la notification comme quoi FunFan a lancé son direct.
mon avis, c'est une question de seconde maintenant, vu l'heure. On va attendre une dernière fois mon horloge, là, pour 13h. Et je vais passer à table. J'ai faim. J'ai les crocs. Brocoli. Ah, avec les rostis, ça va être bon. Yam. Ah, faut se faire plaisir dans l'assiette, moi je dis, en période de fête. C'est cool. Hein. Après, tu analyses ton stream, c'est du taf. Oui, c'est toujours du temps investi, mais c'est cool, et puis ça change les idées, ça fait une lecture. Oui, merci, bon après-midi aussi, merci. Ah oui, SDR, tu peux être certain que je vais manger avec appétit ce midi. Et les repas suivants, là, jusqu'à ce week-end, je vais pas bouder mon plaisir. Wally, Wally, c'est l'horloge et psyché délique. Et là, il est dans le doute, il a lancé son direct, une fois. Ah, ça y est, il a lancé son direct. Je viens d'avoir la notification sur la tablette. Pour une fois, c'est la tablette qui réagit en premier avant l'ordi. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, je vais lancer, hop, le raid. Bah, je sais même pas si je vais... rebasculer en gros pif. Parce que là, on n'a pas fini l'étape. Ah si, c'est là où je dérape à mort devant l'arrivée. Voici, on va basculer tout doucement. Je vais sauvegarder ma progression. Bref, merci FunFan pour la modération. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Je vais me manier les fesses pour que dans les prochaines heures, je rattrape mon retard au niveau de ce que j'ai diffusé sur Twitch, l'archiver sur ma chaîne YouTube. Voilà, hop, je vous rappelle rapidement pour ceux qui sont intéressés. J'immortalise tous mes directs, sans exception, pour que vous ayez le plaisir de ce qu'on appelle la VOD, c'est-à-dire de pouvoir lire quand vous le souhaitez le contenu, et piocher d'ailleurs dans les longues vidéos, parfois les longs directs, juste l'instant qui vous intéresse. C'est le bonheur qui nous est offert avec la technologie. Est-ce que je peux sauvegarder ma progression? Oui, je vais le faire, on va se quitter là-dessus à mon avis. Et voilà, donc on va se retrouver chez FunFan dans quelques secondes pour du Need for Speed Payback. Bon après-midi à vous, bonne continuation. Moi je vous retrouve demain matin sur ma chaîne. Bisous bisous, prenez soin de vous. On sauvegarde. Écraser ce fichier. Oui, je toucherai pas à la commande. Enfin à la console, bref. C'est n'importe nawak. Magie. Je fais l'idiot. Ça va basculer. Voilà, ouais, on a basculé chez FunFan. Et vous qui regardez sur YouTube, merci, bisous, prenez soin de vous. Salutations aux anonymes aussi, comme toujours. Une pensée pour vous. J'étais dévote il y a encore quelques années. Bisous.